Bon. Quand tu veux, bah, le machin. Ça a gros à Pandala? Oui. Il commence quoi. Il commence à faire chier. Oh putain. Oh, ouais, j'ai même pas modifié ça. Il me faut un nom pour la... ce soir. Un nom de. Gertrude. C'est... En fait, voilà, c'est le programme ce soir. Louis, c'est quoi alors? Alors là, on va finir deux quêtes. Et après, y a... je vous propose trois trucs. Et vous décidez. Ouais. Donc, soit on continue l'île des Wobbits. Oui. Et je pense que ça va être chiant. Ok. Soit on continue les quêtes des donjons. Soit on peut commencer l'île de Moon. Ouf. Ouh. Oh, il y a du drop chiant sur l'île de Moon. Non. Ah bon? Non, ils ont fait une refonte complète de l'île de Moon. D'accord. C'est bon, j'ai donc sans envie de me faire agresser. Hein. Ah. Moi je me suis mis en haut. Mais dans tous les cas, il t'agresse sur toute la map, non? T'agresses pas sur toute la map quand il y a un œil au-dessus d'eux? Je sais pas comment ça fonctionne. C'est. Il faut attendre 5 secondes sous l'œil, je crois, un truc du genre. Ou 20, je sais plus. Au titre enquêteur. Ah, mais t'as validé. Et pourquoi fallait pas? Non, c'est pas ça. Bon, alors attends, on réfléchit au planning de ce soir. Ce soir. Il y a l'écran de chargement, le fond, c'est une ville en feu. Pardon ? Oui, c'est parce qu'il y a les chevaliers de l'Héliocalypse qui sont arrivés. Donc ils ont foutu le bordel, apparemment. Et cette partie de l'histoire m'intéresse énormément. Genre vraiment. Ah, tu t'es éloigné? Bah oui, il s'approche, c'est con. On va se faire aggro. Bon, Regarde, il monte. Ah là, il est 21h, faut qu'on se décide du planning pour voir ce qu'on met comme titre de vidéo. Est-ce qu'on fait beaucoup de donjons ce soir? Ah, mais ça y est, je l'ai nommé la vidéo. Elle s'appelle comment? Gertrude, le programme, c'est vous qui décidez. De merde. Pourquoi Gertrude? J'ai suivi ce que vous avez dit. Bah, il a demandé un nom, j'en ai donné un. Oh putain. Encore. On va se faire agresser par Léo, pardon. Putain, mais cassez-vous les meubles. Guillaume, je te confirme, demain je ne bosse pas. C'est dit clair et net. D'accord. Donc on pourra se voir. Ça s'appellera Gertrude. Et ce soir, on pourrait faire un peu de. On peut faire deux donjons et après sur l'île de Moon. On peut faire ça. On est en train de bouger sur la map parce que ces putains de groupes se font que bouger. Bon, si on a notre programme, on peut lancer la vidéo et commencer. D'accord, alors on lance et après je pose déjà des questions. Ah, déjà rejoins-nous en 27-47 s'il te plaît. Ok. Ou moins 43 si tu veux pas te faire aggro. Ouais, voilà. Attends, et si on monte? Regarde. Ah, mais c'est bon, on monte. On est tranquille. On peut me donner le TP le plus proche? Pandala neutre. Pandala neutre. Normalement, tu as le zap. Va dans ton havresac et tu utilises le zap. Ah oui, c'est pas con ça. Ça me fait penser que j'ai pas pris mon voûté. Ah. Non, mais je vais entrer dans le havresac aussi. Donc, pour prendre la tirette. Ouais, voilà. Un parchemin ivoire. Waouh. Chouette. On a la neutre. C'est le chauffage de l'enfer. Enfin, il a quasiment pas fonctionné de l'après-midi. Et là, il s'est dit, attends, tu fais quelque chose? Venons te faire chier. La nouvelle achat cadeau est disponible dans l'interface boutique achat code cadeau. Oh non. Quoi? Ça, c'est chiant, ça, non?
Pourquoi ? Ben, je sais pas, c'est chiant. Non. Ah non, bourse au Kama, petit cadeau, voyons. Récupérer un jeton d'abonnement 3 jours. Putain, si j'avais su... Je me serais pas abonné. Genre t'as un jeton. Ben je sais pas, il y a un jeton dans mes cadeaux. Bon bref. Oh, jeton d'abonnement un jour, ah ouais. Ben je crois qu'il y avait un rollback ou je sais pas quoi. Enfin. Mais ouais, où ? Dans le centre ah des ouais. cadeaux, voilà. Bon, on va attendre tout le monde en 27-48. J'ai deux jetons du tofu, un jeton du Wabbit, trois jetons... Non, un jeton d'abonnement 3 jours et un vétéran reward. Eh putain. Bah dis donc. Va falloir les utiliser, ça, Coco. Bref, on attend tout le monde en 27-48. Et à partir de là, on lance le stream, on dit bonjour, bonne année, tout ça. Le programme, à peu près, si on le suit ou pas, ah, et puis on est parti, quoi. Et si je cax. C'est trop bien les Gigacax. Et au fait, je vous l'ai dit, oui, les Gigacax de. Je sais oui, d'où ça venait, oui. Ouais. Ça vient du Japon. What the fuck? Ah, mais oui, les jetons comme ça, il y en avait quand j'étais petit au collège. Voilà, Fiera, elle est niveau 60, celle. En plus, elle a pris un truc caméléon. Ça va, sinon, on a les sous. Ça va. Mec, il a vendu un truc 700 000 balles. T'as pris 4 niveaux quoi. Mais vous allez vite me rattraper, je donne tout la DD, donc enfin au volcan. Ah, oui, évidemment, ça. Oui. Bah si, 90%, ça c'est XP plus rien. Il a raisin. Ah, il a raisin. Bon, on n'a pas fait l'île de Noël, c'est un peu dommage. Moi je l'ai entièrement fini avec Macra. Oh putain, tu m'as fait peur, j'ai dit ouais, j'ai entièrement fini, c'est pour mais ça non. que je suis en 60. J'ai dit what the fuck. J'ai fait les 3 Minotoboules, le grand champ, duo sur le père Fouettard, j'ai tout fait. J'ai tout fait. La mitre et tout ça. Bah moi j'ai une vie, je suis sorti avec des potes. Ouais. Je suis en 27, moins 47. Monte. Sinon tu te fais aggro. Oui, je vois ça. Il me lance des yeux de travers là. Ok, maintenant que tu es là, pose-nous. Tu veux poser les questions dans le stream ou là maintenant? Oui, nous on peut dire bonjour comme ça au moins. On dit bonjour. Bon allez, on lance. On va faire le petit clap là, hein, tout ça. Ah yes, j'attendais de passer ma phrase. Fais chier. On peut pas avoir un lancement normal. Jamais. Vraiment jamais. À chaque fois, je réfléchis à des petites phrases à dire. Hein. Allez, 3, 2, 1. Attends, parce que j'ai reçu un message de Pierre. Oui, je bosse demain. Non, c'est juste que vu qu'il commence à partir, il m'envoie toutes les infos et je dis je devrais tout mettre sur le au boulot. Enfin bon, là il est en train de un peu me spammer, mais c'est pas grave. Okay. Allez, 1, 2, 3, claque du bonne chauffage. Année. Ah pardon. J'en peux plus. Je sais pas moi. On peut pas avoir. Un lancement normal, si vous voulez. T'as dit 3-2-1. Mais j'ai dit. Non, il a dit 1-2-3. Ouais, en plus. Et j'ai dit claque de chauffage. Hey. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Voilà, c'est cool. C'est la vie. On est en 2020. On n'a pas vu le temps passer, disons. Ah! Il y a quelqu'un qui te dit bonne année, Jake. Oui, je sais, j'ai vu, je réponds après. Ah, putain. L'intro. Ouais, bon, allez, on le fait vraiment. Donc, bonsoir tout le monde. Ici, on est en studio pour la suite de Dofus. C'est vrai qu'on en a pas fait pendant un moment, mais voilà, l'emploi du temps fait que parfois la vie est difficile. Allez, on s'en fout. On est toujours accompagné des mêmes personnes. Hein. On a Jake. Bonsoir. On a Loulou. Bonsoir. Et on a Imagiro. Bonsoir, on s'éclate et tout de suite un épisode de Bref. Y'a plus Michel. Y'a plus Michel. Merde. Moi je suis pas d'accord avec la politique actuelle de toute façon. Oh putain. J'ai retweeté. Bon, oui, tout ça. Non, mon film. Bonne année à tous, parce que ça, on n'a rien fait depuis le début d'année. Donc, quand même, les meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent et à ceux qui nous suivent pas aussi. On est quand même gentils et polis. Ça dépend qui. Oui, bon.
Bonne année à Ochat et donc à FR Beyond alias Daft alias François alias ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je passe te voir un de ces quatre. Voilà, tout va bien, le début d'année est assez rocambolesque comme pour beaucoup de monde je suppose. Et vous, comment est-ce que vous allez? Y'a Kipon, Imagiro et Loulou. Très bien. Je suis très perturbé parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Imaginario sur la map. Ouais. Si tout le monde m'appelle comme ça. Ah ouais, c'est pas mieux que Chypre humide. Hein. Oui, bon. Oui, je l'ai pas vu, ça. Alors que Chypre humide nous a rejoint. Bon, bref. Alors que Chypre humide est en sueur. Oh là là. Bon, allez. Pour le programme de ce soir, nous allons terminer ce qu'on avait entrepris, c'est-à-dire le Dark Vlad. Souvenez-vous, on doit commencer les quêtes des Dofus. Mais on va faire une petite pause sur les quêtes parce que ça fait un petit moment qu'on est dessus. On va essayer de lancer pas mal de donjons ce soir. Et pourquoi pas après commencer Moon, enfin on verra. On verra, on verra. La dernière fois qu'on a dit ça, on a mis 6 épisodes à faire. C'est vrai, mais c'était astru, mais c'était très long. Après ça va, l'île des lapins en 2 c'était fait je crois. Enfin, bon, et c'est pas fini. C'est vrai qu'on doit en chasser d'autres, des Wabbits et des Tiwabbits. Ouais, mais bon, on verra plus tard. Sur ce, je vous propose qu'on commence avec le chose juste en dessous, là. Avec Ronald le sage Lenald. On finit cette quête-là. Donc, Louis, on va suivre. Il y en a une autre juste après. Ouais, voilà, on va suivre ce que tu nous dis et ça ira plus vite, je pense. Voilà, allez, c'est parti, on descend. On descend. Oui, on descend, on parle au sage. Et j'ai pris un niveau, t'as et pris ça tombe un niveau, très bien. Voilà. Allez, j'ai parlé, la suite. Il y a un œil. Ouais, j'aimerais bien bouger, ouais. Allez voir Meriana. Qui est dans les marécages. Chouette. Oh putain, elle est loin. Musique. Mais oui, ils ont refait les musiques, elles sont très très bien. Enfin, certaines. Définitif. Pardon ? Ou c'est juste pas comme les musiques, ils les ont refaites, c'est définitif ? Ouais. Oui, oui. Ok. Mais Rihanna, elle est en moins 6. Mais... elle est près de quoi, Rihanna ? Elle est pas du tout sur Pandala. Elle en fait. Est en plein milieu de nulle part. Bon, je vais prendre le village d'Amakna et on verra. Oh ah, putain, non, elle est chez les boules, là. Oui. Oh, dans les marécages. Comment on rentre dans les marécages? Vers les moins 11, 0, moins 11, 1, un truc comme ça. C'est-à-dire chez les éleveurs, quoi. C'est ça. Ah oh, putain, mais je crois que Guillaume il a pas fait ça. Ça me parle pas. Mais moi non plus je l'ai pas. Eh bien, vous allez découvrir le territoire. Ouais, il me tarde. Putain. Moi je l'ai le zap, mais bon. Ouais, je me baladais, ouais. On va où en fait? Il va falloir qu'on aille au village des éleveurs. Pour ça, il va falloir. Est-ce que ça m'étonnerait? Ah si, t'as fait un tour toi, roulotte de Sidimote et tout ça ou pas, Guillaume? Bah, j'en sais foutrement rien. Moi, okay. Tu sais, je sais même pas quel jeu on joue. Hein. D'accord. T'avais des questions aussi, je crois. Oui, à quel jour? World Legend. Non, sérieusement, j'ai oublié pas mal de choses. Donc, c'est pour ça. Là, je me souviens avoir travaillé sur des carottes la dernière fois. Oui. Les ennemis, c'est en et bleu. Après, Non, mais c'est pas con ce que tu dis. C'est pas fort, ça rentre ça aussi. Les ennemis, c'est en bleu. Aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce que tu as... Bon, bah dis-moi, est-ce que tu as le zap plein de Cagna, champ de Cagna? Je vais te dire ça. Ah, c'est les clics. Alors, zap de Cagna... Lac de Cagna? Non, ça c'est trop, ça. Champ de Cagna? Oui. Oui. Ou c'est vachement loin, ça. Ah bon? Et il y a quoi de plus près qu'il peut avoir? Attends, il faut prendre le 20-20. Parce que moi je regarde ce qu'il pourrait avoir en fait. Plaine de Cagna, route. Bord de la forêt maléfique.
Ah oui, pas con. Le bord de la forêt maléfique. Le zap, c'est les tout premiers zaps. Ah, ok. Amakna, bord de la forêt maléfique. Oui, je l'ai. Ah bon, on y va. On comprend ça. Attends, mais tu peux passer par là ? Oui, apparemment. Oui, il y a un passage. Attends. Ou sinon, il y a la montagne des craqueleurs aussi. Bah, on faut est pas aller au village des éleveurs ? Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ? Faut pas aller au village des éleveurs ? On peut. Oui, tu peux aller prendre le zap du village, oui. Mais j'y serai dans un quart d'heure. Bah, avec Guillaume, on est au bord de la forêt maléfique, si ça vous intéresse. Non, mais d'ici là, on se fait une saison de bref. Hein ? J'ai pas compris. Non, mais Thomas qui disait un quart d'heure. Pour ça. Ah. J'allais poser une question, j'allais me faire taper. Non, ça n'aggro pas. Ah, c'est ça ma question. Pour info, on a un période de solde et j'ai vu que sur la boutique d'Ankama, il y a beaucoup de choses sympas en solde. Notamment des goodies, des jeux de société, des saisons de visiteurs du futur, etc. Voilà. D'accord. Je dis ça parce que peut-être, si l'inspiration vient le mois prochain, il y aura un concours. On sait jamais. On verra. Faites-le donc. Oui, d'accord. T'es où, Louis ? Bah, à Meriana. Putain, mais nous on t'attendait pour que tu nous montres le chemin, quoi. Quoi, quel chemin ? Ben, pour aller voir Meriana depuis le bord de la forêt maléfique, je l'ai oublié moi. Ah, mais vous allez à gauche et vous montez. Ok, mais bon, on va à gauche, on monte. J'hallucine, quoi. Alors. Attends, mais. On joue la prise. Mais déjà, c'est pas par là. On redescend ? Je sais pas. Bon, t'es où ? Attends. Oui, on descend, vas-y, viens voir. On va voir là-bas. Tu vas en moins 4, 13. Ouais, c'est bon, c'était par là. Ok, allez, suis-moi. Je crois savoir où on va. C'est pas compliqué, quand même. Ben, un peu, quand même. Ça aggroupe pas les crocodiles, c'est bien. Allez, on bouge en haut. On va sur la gauche, parce qu'on n'a pas trop d'autre choix. On monte. Tu me dis quand je m'arrête, hein. Là, je monte une ouais. Fois. On va encore à gauche. De toute façon, je t'attends à chaque map. Et depuis une récente mise à jour, quand tu arrives sur une map, tu vois les personnes qui sont déjà en cours de déplacement. Ouais, j'ai vu, ouais. Ça, c'est cool, ça. Ouais, parce que Guillaume est tout. Et vous m'entendez là, ouais. Oui, on t'entend, Thomas. Oui. C'est quoi ça, crocobure ? Mon ordi a freeze pendant une minute. Je pouvais rien c'est faire. C'est pour la quête du Nofus Eben. Ah, ok, bon, on s'en va là. On prend la souche d'arbre, Guillaume. Et on monte. Ah, attends, il y a du succès. Après. Ouais, ouais, t'inquiète. Moi, je les validerai hein, quand on arrivera sur Meriana. On va encore à gauche. Passez plutôt par la forêt d'eucalyptus que par les marécages, sinon vous allez vous perdre. Excuse-moi, mais ça va, quoi. Quoi ? Bon, ok, on va à gauche, Guillaume. Et on monte. En plus, c'est aggro pas, et puis c'est beaucoup plus joli à voir que des crocodiles et des boues. Moi, la zone, ça va, elle était pas dégueu. Hein. Ouais, non, ça va, mais c'est beaucoup plus joli, ça, quand même. Ça. C'est quand même plus joli, ça. Bon, on monte, hein, de toute façon, là. Là, on monte pour un petit moment. Y'a pas un slash sur. Non, désolé, c'est pas le même jeu. Ah. Putain, c'est demain la mise à jour sur oh. Ouais, bah entre ça, entre LOL, entre. Enfin, trop de choses. Ah, mais j'ai même pas fait les ventes de Heroes. Bon, il y a jusqu'en mars, mais j'ai rien fait dessus. Ah, bah. Je me suis remis à LOL et ça y est, je joue en classe sur la ouais, j'ai vu, ouais. Okay. J'ai vu, ouais. Non, mais et c'est dingue, je comprends maintenant les réflexes du jeu, quoi. C'est dur, hein? C'est impressionnant, c'est vrai. Et tu te fais taper pour tout et n'importe quoi. Ah ben ça oui. C'est tout le monde t'insulte, t'as fait un truc, tu te fais insulter. Je fais que ça mec. Mais en fait, dès le début tu fais slash mute all et c'est très bien.
Au moins, tu joues ton... Ouais, mais non, s'il y a des gens, ils te donnent des conseils intéressants, quand même. Ah bon, lesquels? Va te suicider et prends le sida? Non, non, vraiment, il y a... Je suis tombé sur des gens avec... Bon. Avec des conseils. Alors, on va commencer à aller à droite. Ah, à droite. Et il va en haut. Non, 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 je suis à droite, je suis à droite. On monte. Même si j'aime pas trop ça, mais... Je sais, mais... On monte. Et je crois qu'on est déjà pas bon. Attends, si c'est bon, on va à droite. On descend. T'as un moins 7, moins 4? Merde, c'est pas là. On remonte. T'as un moins 8, moins 4? Oui. Tu vas à droite. Ouais. Tu descends et à droite. Ok. J'étais pas si mal. J'ai juste pris un cul-de-sac. On redescend. Et on va à droite. Ah tiens, Imagero a déverrouillé le village des éleveurs. Il aurait dû nous écouter et nous suivre. On l'a déverrouillé. En fait, t'as dit village des éleveurs, je me suis focus dessus et du coup, je suis allé. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, il aura le zap. Oui, voilà. C'est ici? Oui, c'est dans la maison. Tu peux commencer à lire en attendant Thomas, si tu veux. Parce qu'elle a pas mal de choses à dire, je crois. Oh, une citrouille. Ah bah, c'est parfait, quoi. C'est la bonne image que t'as mis. Tu vois? Ouais. En plus, on va faire la maison fantôme et le donjon des chasseurs. Ouais. La maison fantôme. Maison fantôme. Avec le boostage. Boostage. Mais jamais fait. Je vais parler du Dofus Ocre. Mais je ne le ferai jamais. Désolé. J'ai pas le temps pour ces conneries. Oh putain. Pour t'expliquer, Guillaume, le Dofus Ocre, il faut capturer tous les monstres du jeu. Que ce soit les monstres, que ce soit les boss, et que ce soit les archimonstres. Et pas le mytho le menteur. Et pas le mytho le menteur. Et tu vas me dire, mais c'est quoi un archimonstre? Et je vais te répondre, ben, pour chaque monstre, il y a une version mieux, mais très très rare. Un shiny? Ouais, presque comme un shiny en fait. Et qui fait chier. J'ai été invité dans une guilde, va mourir. Surtout s'il est sur le live, va mourir, j'en veux pas de ta guilde de merde. Voilà. Au moins c'est dit. Mais quelle idée, je veux pas être dans une guilde quoi. Enfin, la seule guilde dans laquelle je veux être, c'est la mienne. Hé, hey, regardez, c'est Thomas. Allez, va parler à la madame à l'intérieur. Mais ça sent la dedans. Ah, mais je voyais galérer sur le stream, et en fait, moi j'ai juste subi un chemin. Ouais, ouais, mais nous aussi. Peut-être pas le bon, mais. Pareil, de. Mais où sont les Dofus? Mais où est Jackie? Où est Yugi? Il n'est pas là. Comment? Pour ressortir? Oui, il va falloir ressortir, oui. Et puis une trappe, on va attendre. On va attendre tout le monde. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Ah, il est niveau 60. J'ai Apo. Non mais c'est une blague. XP donné 99%. Voilà, c'est ça. Ça. Et après je monterai l'amour et l'endurance. Ouais. Il me fait chier à m'inviter dans sa guilde l'autre. Ah, il est pénible. Bah tu dis non une fois et ça suffit. Bah non, ouais, il a fait une deuxième fois. Lui. Ah bah moi il me l'a pas refait. Non. Pourquoi? On s'en fout de ta guilde de merde. Vas-y dis-lui. Vas-y dis-lui. On s'en fout de ta non, salut. On a dit non. Et le consentement. Ok, tranquille. Mais pourquoi, Jake?
Bon, bref, est-ce que tout le monde est disposé à continuer la quête? Tranquillement, à base de tranquillade. Allez, on y va, là. Bien joué, ça. Bon, alors... on va où, on fait quoi? Bon, donc on a fini les deux quêtes pour le succès. Oui. Donc on peut faire Amélie, des donjons si vous voulez. Déjà? Ouais. Ok, on n'a pas besoin d'aller cueillir une fleur, démarrer, couper du trèfle putride. Non, parce que c'est la première quête pour le Dofus Emerald. Ah. On va attendre un petit peu. Ok. Bon, allez, on y va parce que l'autre il commence à m'énerver. Oh là là! Mais ça te va pas hein, de jouer à LOL? Là là, il a même dit! Oh là là, viens donc là, mon pigeon. On y va, s'il vous plaît? Oui! On bouge! On fait quoi? On fait la maison fantôme? Ouais, allez, c'est parti. Ils sont au cul. Oh, moi je m'en vais là, j'en peux plus. Il faudrait d'abord aller en moins 1, 2. Ok, bah on va dans notre chose là. Dans le lavant-sac. Moins 1, 2. C'est pas loin de moins 2, 0 ça. Quelle perspicacité. T'as vu, je suis fort hein. Alors, moins 1, 2, c'est où? C'est quoi ça, Crossmoglobe des voyageurs? C'est pour plus tard. Ouais. Pour vraiment beaucoup plus tard. Et merde. Moins 1, 2. Il y avait cueillir une fleur des marées, vous l'avez fait? Non. Non, on le fait pas, Thomas. Il a pas écouté. Non. Excusez-moi, ouais, j'ai bien vu. On a dit que on a fait les deux quêtes qui permettaient de faire le Dofus. Donc là, la quête. Retourner voir le Dark Glade toujours sans mourir, on n'a pas besoin de la faire maintenant. Mais elle reste dans mon... Dans oui, mon bah après tu peux dire qu'elle ne te suit pas. Tu vas dans... On entre de la forge. Tu fais quête, et tu dis, bah, j'arrête la quête, comment elle s'appelle, retourner voir le Dark Glade, tu la suis plus, et puis voilà. Se renseigner sur l'agence touriste. Ouais, vous parlez à Andy Bull Smith. J'aime trop l'assurance touriste. Mais je croyais qu'on allait faire un donjon. Oui, mais laquelle faut, lance les trois, comme ça tu les auras. T'as les boules. T'as les fantômes contre fantômes. Ah, c'est dommage, hein. Ils auraient pu faire t'as les boules, t'as les glandes et t'as les crottes de l'équipement. Ça aurait été très drôle. Ah. J'ai oublié. La tour Montparnasse infernale. Ah oui, c'est le pire film du monde. Bref. Pardon ? Comment on fait pour équiper une monture ? Bah t'enlèves ton familier. Bah tu vas dans l'onglet monture. Voilà. Oui mais... Voilà. Mais t'as pas un raccourci ? Si, il fallait aux zaps du village des éleveurs et, et acheter le sauciflet. Ah, ok. Bon, je ferai ça plus tard. Bah c'est surtout que... Ou magie. Nous on n'a pas encore le niveau... Je vais vous TP au donjon. Ah, c'est niveau 60. Oui. Ah. T'y es presque, Guillaume, t'y es presque. Ouais, ouais, nous aussi. Dans 6 épisodes. Ouais. Non, je pense que ce soir on va le prendre. Bah, on est 58 et 57. Ouais, ouais moi je suis 57 et demi. Ouais, non, même pas. Bon, bref. Oui, tu vas nous TP, très bien. Je vais en profiter pour prendre le zap. Pourquoi tu me vois pas bouger? Mais je te vois bouger. Non, on te voit bouger. Sur le stream, je vois pas. Mais pourtant. Si. Ah si, c'est bon. Putain, il y a un décalage, c'est fou. On a 5 secondes, je crois. Oui, 5 secondes de retard. J'ai pas 5 secondes, minimum. Moi. Mais... Minimum. Écoute, c'était mauvais, moi j'y peux rien. En fait, tu te repères au tac-tac du radiateur, c'est plus simple. Oh putain! Mais on l'entend pas? Moi je l'entends pas. Putain.
il est à côté. Est-ce que je prends le vélo demain? Tu fais ce que tu veux. Tu fais le tour de Guillaume. Ah non, de moi. Je reconnais plus mon personnage. Bah je faisais le tour de Guillaume. Là sur le stream, je fais le tour de Guillaume. Hein. Non. Ah mais c'est sur le stream. Oui, non mais après ça... Je te vois déjà sur Eric. Doucement. Non mais... Oui, t'es lent. Excuse-moi, Louis, j'avais pas le zap du massif de Cagna, désolé. Faut aller au zap du village des éleveurs pour avoir le saucif là ? Oui, oui. Tu peux y aller, oui. Et c'est parti ! Hey, c'est parti ! Oh, yeah, yeah, yeah. Ça fait 1000 kamas. C'est tout ? Ouais, c'est pas grave. Ça va aller, ouais. T'as vu le bad news du jour, Thomas ? Ah, je l'ai pas vu. Oui. On ne dit rien, je l'ai pas vu. Comment il s'appelle ? Montagne des Koalas, village des éleveurs. Faut parler à qui? En bas à droite, Claco. Benji. Il s'appelle Claco. Claco fruit. Claco au sol. Téléporter les membres du groupe, oui. Ouais. Et merde, j'ai pas vidé mon inventaire. J'ai du poisson partout sur moi. Oh, ce corbeau, quoi. Tais-toi! Mais j'ai dit tout. Qu'est-ce que c'est que cette zone? C'est la foire c'est au trou. La foire du trou. Mais il était pas là avant ce donjon-ci? Si. Mais il était pas, pas comme ça. Bon, ça fait un petit moment qu'il est là ce donjon. Y'avait pas un truc à côté des Scaras? C'est Halloween. Le donjon d'Halloween? Ah ouais, autant pour moi. On utilise c'est le trousseau. Différent. Oui. Allez, c'est parti. Bon, comment on joue? Effet. Aucun. Ok. Quoi? Dragoden. Fait de mon scarafeuille. Fait de mon truc là. Un volcorn. Oh la vache. Tout le monde est prêt? Youpi. Allez. J'ai pas monté mon sort, j'ai pas monté mes trucs. Tes sorts se montent tout seul. Ah oui, j'ai mis 15. Ensuite. Mes stats. Oh putain, mais c'est niveau 32. Ah oui, d'accord. Moi, c'est un donjon niveau 40. Hein. Et qui? Ok. Ah, vous avez la monture même en combat? Oui. Eh oui. D'accord. Oui. Il faut qu'on fasse putain, des... le châle. C'est trop bien. Sérieux, il faut le faire le châle? Ah, va falloir à un moment donné. Ah, je vais tous les monstres sans leur occasionner des dégâts directs. C'est quoi déjà un dégât avec direct? Avec les invocations, tout ça. D'accord, donc on tape donc le chat. On le finit, on le termine avec des invocations. Ah, c'est achevé, ok. Alors là, je sais pas quoi faire. Hein. D'accord. Eh bien, merci. Waouh, c'est déjà un bon début. Ah, c'est à moi de jouer. Je sais plus comment on joue. À peau. T'es interdit psychopathe et t'es interdit pleutre. Tire la cible, oh yes. Les ennemis sont bleus. Là je vais bloquer des gens. Là. C'est pas grave. Hein. Il est où mon sort principal? N'oublie pas qu'il faut pas tuer. Ah faut pas tuer, alors je vais mettre le chat. Ici.
Avec bluff, tu le tues pas là. Si tu le fais une fois, bluff. Putain, tu fais mal quand même. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Cette icône? Ça veut dire que t'es insoignable. Ah d'accord. Ça veut dire que... Enfin, pas toi, mais que... Mais oui. J'ai écrit. Pourquoi tu t'es mis aussi loin de... Et pour pas me prendre de dégâts. Mais c'est trop tard, ça. Évidemment qu'on allait pas le faire. C'est déjà assez long. Yay. Merde, j'aurais pu finir le boostage. Bon, c'est pas grave. On ne tue pas. Non, non. On va le mettre là. D'accord. Ah, j'ai moins de décalage. J'ai rafraîchi la page. Il est où mon bouclier? C'est quoi mon sort de bouclier déjà? Bon, je sais. Contre-coup? Non. Non. Ouais, c'est peut-être raison. Appuie comme... On aurait dit le début de la SketchUp, quoi. Allez, l'épée violente. Toi, y'a qui pond. J'aurais dû bouger lui. Tu tues les deux là, non? Mais non, je peux pas. J'ai pas assez de PO. Oh. C'est le problème. Passe ton tour et ton chat va finir. Ça y est. On a gagné. Il y a des succès à faire à la fin du donjon. Oui, sur le boss, oui. Il y a de la gargouille. Hein. Oh, elles sont chiantes, les gargouilles. Oui. On n'a pas une deuxième. Mais les gargouilles, on les a pas déjà fait, les succès dessus? Si. C'est les mêmes que... Oui, c'est les mêmes, oui. Gargouille, c'est elle qui soigne? Oui. Non, elles entrent en fureur si on tue je sais plus qui. Ah oui, c'est ça. J'en se blé. Bon, bah quand vous voulez, on y va. Je suis full. Est-ce que tu as des questions, Guillaume? Pour l'instant, je suis... Ouais, tu fais comme moi. Je fais comme moi. Je suis un peu paumé, à part les mutiles, je sais rien faire. Je vais me mettre là. Voilà. Et alors c'est quoi les résistances de la gargouille? On peut tuer celui-là en premier. On tue le tofu maléfique en premier. Au moins ça valide le succès. Ah oui. Ah oui. Ah d'accord. Tu le dis si on t'emmerde. Aïe aïe aïe. Ah mais il est même pas mort? Non non. Oh. Mais presque quand même. Enfin après il râle. On peut pas faire ça. Je peux pas. Dommage. Ah oui. Bravo. La gargouille a gagné 2 PR. Avant de vous tuer. Oh non, 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 non. C'est quoi cet état qu'elle a sur elle? En secours. État rancune. Ah, j'ai une idée.
Hop là. Tiens, tu sais, s'il te plaît. Merci. Je me casse. Pourquoi je l'ai fait? Ouais. Parce qu'elle a 82% de résistance feu. J'avais et 100% de résistance R. Ouais, à 100% R. Ok. Faut que... Bon, tu tapes ce que tu veux là, Guillaume. Vas-y, fais-toi plaisir. Ça, c'est un bon début. Ça, c'est dommage. Ça, oui, si tu veux, je peux mettre un bouclier. Ah non, tu seras pas assez proche. Je m'en vais. Ça, je peux pas non plus. Je m'en vais. C'était sûr, en fait. De quoi? Non, rien. Qu'est-ce qu'il a? Tu veux que je te soigne? Tiens. Non, mais non. Mais j'ai mon bouclier. J'ai le regret de te dire que la garou peut nous tuer. Mais non. D'accord. Ah, elle est quand même dans l'état rancune infinie. C'est tant qu'elle aura pas tué quelqu'un. Elle l'aura. Non, 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 pas sur moi. Vas-y, la gargouille, il est moche. En plus, il est une monture. Elle est sympa quand même. Elle est vraiment sympa. Gars. Blala. Tiens, ce taclage de qualité. Jack, essaie de taper la gargouille. Oh, il peut. Un coup de bluff. Bon, j'ai pas les sons des attaques. Ah, ça arrive. Ouais, parfois, ça arrive. Je peux pas le faire. Je crois que j'ai deux musiques en même temps, donc tu sais. Moi aussi. Ah, toi aussi. Je croyais que c'était vraiment... Je viens de désactiver parce que ça me saoulait. La rancune est vraiment plus forte. Depuis la 1.9, ça existe, non? De quoi, le doublage de musique? Oui. Ouais, je crois, ouais. Bain de sang. Tu l'as. Merde, c'était de l'air. Il y a R. Au revoir. Et là, elle va sur... Oui, va sur Fiera, tu l'as. Non. Oh putain. Oh. Ça fait mal. Ça. Je t'apprendrai à être niveau 100. Lol. Elle va te faire encore plus mal. Attends, ça va 30 DPV si je fais ça. Pas du tout, Jack. Allez. La gargouille, Jack. Tu Fiara, elle est en rouge. Qu'est-ce qu'il rouge en plus. Refais un coup critique et le tue pas. Ah, je suis désolé, mais... Oh, il a fait un autre coup critique en plus. On a encore eu de la chance. Je suis très déçu. Du pain? Non. On y va. C'est bon, il est boulanger 128 là. Il est boulanger 200 donc. Excuse-le quoi. Où suis-je? Ok. Tu es toujours le même personnage. Dans quel étage? C'est une émission ça, dans quel étage, je crois, sur France 5 ou une connerie comme ça. Oula. Encore ces châles. C'est pas grave, on s'en fout. On les a déjà fait. Mais peut-être pas sur ces mobs aussi. D'accord.
C'est exactement la même disposition que la première map. Ah, ok. Et oui, heureusement que tu suis. Bah, heureusement, oui. Putain. On serait pas du tout dans la merde. Oh, bordel. Je suis entouré d'incapables. Tu peux les toucher? Oui, vas-y, fais ce que tu veux. On a le droit de les pousser contre un mur si t'as envie. Waouh! Ça c'était fort. Il a des résistances. Oui. Oh! Nice. Super cabriolet. Le mec il vomit tranquille, ça lui dit rien. Donc là on s'en fout du même propre. Oui. Oui oui on s'en fout. D'accord, donc en gros c'est gastro et grippe pour tout le monde. Quoi. Ok. Quoi? Ben il a pas les mêmes propres, donc voilà, c'est un gastro et la grippe. C'était quoi déjà les blagues que t'avais écrites? Mais je vous les ai pas encore dites. Oh putain. Ah oui. Ouh. Parce que je spoil d'avance. Guillaume a écrit des blagues pour que ça finisse dans les clips. C'est pas ma blague. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Faut que je retrouve les post-it. Mais je vous avoue, j'ai un peu peur. Si un éléphant prend la défense d'un autre, c'est de l'altruisme ou du vol? Jake est mort de rire. Ben oui. Parce qu'il a compris. Arrête de gueuler. J'ai une mignonne pour commencer, si vous voulez. Oh mon dieu, non. Caché derrière mon tofu et l'eau boostée. Où vont des vaches pour aller travailler ensemble? Du meumeucar? Non, elles vont dans un espace de coworking. Ok. Mais c'est pas pour aller travailler ensemble, c'est pour travailler ensemble. Eh, je vous emmerde. Hein. Je sais pas. Ok, d'accord, bah, pour c'est moi, ma blague. Au moment, hein, le respect et tout ça. La prochaine. Ben, mais c'est pas toi qui décide. Voilà. Devant toi, Imagiro, je peux passer ou pas? Oui. Oui, oui. Vas-y, je m'en fiche. C'est fini, là. Une TP de partout, du coup. Yeah. On a gagné. Oh, Pablo Escobar. En dessous, il marquait Pablo Escobar. Oh putain, mais qu'est-ce que c'était que ça, hein? Pablo Escobar. Oh merde. Faut clipper. Oh non. Pablo Escobar. Oh la gargouille. On attend une deuxième blague pour clipper. Ah mais j'en ai une autre, mais il faudra attendre beaucoup plus tard en fait. Ouais, comme souvent, ça fait des clips dans le temps et pas tout d'un coup. Non, plus les gens elle est tendancieuse. Ouf. Il faudra attendre après 22h ou après 21h. 21h47. Non, 22h, c'est pas... C'est moins, c'est... Ouais, c'est pas non plus... Faut attendre 13h. Ah, il me tarde, hein. Il est con, ce gosse. Allez. Bravo, Fiera a niqué les deux châles. Et c'est à Fiera qu'on doit cet exploit. Elle était trop bien cette phrase. Les gens ils ont pu se sentir agressés, voilà, ils l'ont enlevé. Oh oh. T'aurais jamais dû te mettre là. T'aurais jamais dû te mettre là, toi t'es fou. Elle va arriver, c'est plein. Au prochain tour. C'est bon, on peut la faire. Tiens.
par contre, moi, je l'attaque le bien. Ouais, moi aussi. Ah, mais il est bloqué. Bloqué. Oh, c'est marrant. Johnny. Alors, bon du félin. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, point de déplacement. Bravo. Et là, oh, pile. Et allez, bluff. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, Jake. Johnny Hallyday. Ah, il peut refaire. Il y a une troisième... Non, c'est pas vrai. Aïe. J'ai 100% de terre, hein. Oh shit. Ouais, je préfère te le dire avant que tu fasses n'importe quoi. Ça va pas marcher. Ça va pas fonctionner. Cabriolet. Je suis intaquable. Elle te déteste. C'est ça. Et elle a raison. Tiens, si tu la tapes, elle va te rendre des points de vie normalement. Chouette. Voilà, merci. Tape le tofu d'abord. Non mais sérieux, garde tes renvois du nouvel an, quoi. Garde tes renvois du nouvel an. Le crâne, il est encore alcoolisé. Enfin, on dirait moi. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Le crâne, il est encore alcoolisé. C'est quoi ce bordel? Camulex. Un berlingot. Oh, ben quel dommage. 84% de feu. Mais je tape pas feu. Ah, c'est pire que tout en fait. T'es pas obligé de la tuer, elle risque d'aller sur. sur Viara et de la tuer. Tu l'as, tu l'as. Bon, le coin là. Meurs. Flap. Putain, flap, flap, la girafe. Et c'est Boustache. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Cuir les Boustaches. Depuis quand les Boustaches, c'est fait de cuir? Succès. Donjon. Amélie. À 50. Anna Chorette est dernier. Anna la Chorette. Oh putain. Ils ne doivent pas terminer leur tour sur une cellule adjacente à celle d'un allié. Est-ce que tu as entendu, Guillaume? Je ah, c'est pratique. Ne pas terminer sur la cellule adjacente d'un allié. Alors, une cellule adjacente, c'est la croix plus. Oui, ça la croix plus. C'est le plus autour de la toi. La diagonale ne compte pas. La diagonale ne compte pas, d'accord. Voilà. Le deuxième. Et un dernier, allié, c'est aussi les invocations. Hein. Oui, oui, ça les invocations comptent. Okay. Donc, attention au chat. Oui. Donc, pas de chat. Pas de chocolat. Et dernier, on va en chier. Ouais. Ouais. Dernier, ça va être dur. Non. Petite particularité du boss, dès qu'on tue un monstre, le boss ressuscite ce monstre. Ouais, donc on focus le boss, quoi. Et comment on fait pour dernier, alors? Eh ben, il faut taper plus fort que lui. M'Sega? Non, mais c'est en gros, va falloir qu'on focus chaque monstre, en fait. Mais oui, mais s'il est ressuscité? Ben... Ça va être compliqué, mais s'il les ressuscite, va falloir qu'on les retue et que derrière, on entame la vie d'un autre. Ils les ressuscitent avec toute leur vie? Je crois. Ou sinon, on peut baisser la vie de tous les monstres, les tuer les trois en un tour, ouais. Et après, focus le boss. Ouais, c'est vrai. On peut faire enfin, ça. Ou baisser la vie du boss aussi, hein. Ah oui, parce que si ça devient des invoques... Attends, mais non, mais on s'en fout que ça soit des invoques. Ça passera en dernier, quoi qu'il arrive. Je sais pas s'il est ressuscité en invoque ou s'il est ressuscité... Ouais. Bon,
Bon, bon, on verra. Oh, on le tape, quoi. T'es prêt? On se tient prêt? Putain, y'a du monde dans ce donjon. C'est grave, c'est quoi ce bordel? Allez, go. C'est parce que personne n'y est jamais sorti. Ah, celle-là, elle était bien, tu vois. C'est une blague, c'est une en plus, tu l'as même pas préparée. Moi, je trouve qu'elle était bien, celle-là. Faut pas que tu prépares les blagues. Ah, oh, putain, tueur à gage. Non, mais on s'en fout des chats. Et duel. Ah oui, les deux chats, là, c'est nul. Donc faut pas bon, finir on à côté baisse d'un la vie de tout le monde. Là, le boss, c'est le fantôme avec le gros crâne. Enfin, oui. Le gros front, là. C'est ça. Oui. C'est un bout, quoi. Ouais, il a une tête. Couché dehors. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je baisse sa vie. On a dit dernier. Oui, mais je vais pas le tuer, t'inquiète pas. Ah. Ça n'empêche pas de baisser sa vie. Ah, parce qu'en plus, le boss va faire chier, mais il faut le tuer en dernier. Oui. Oh. Hashimagari. Qui c'est qui veut Thomas, le bouclier? Ne finis pas à côté d'un allié, c'est tout ce que je te demande, Thomas. Il est affaibli, la gargouille. Ouais, la gargouille, faut la tuer assez vite. Ah, non, faut mieux que je sois ouais. Jake. Non, je peux le faire, moi, avec l'eau. Ouais. Ouais. Je vais essayer, Jake, mais Jake, il est pas ta clé, donc ça va. Oui, en plus, le vampire n'aime pas l'eau non plus. Boustache, ça va. Ah oh, putain, il crème pas l'air, le boustache. Et le coin... Le coup, on s'en fout. Alors, sauf que mon premier tour, ça va être ça, ça et ça. Hop. Et on va mettre un dragon. Ah, je suis bloqué. C'est quoi? Tu peux taper le Quan, Jake. Ouais, voilà. Je vais taper la peau au Quan, donc je viens de voir le genou. C'est le crâne, mais en version encore super sympa, quoi. Voilà. Version Lille. Blague de Lille. Ah, tu peux pas bouger, toi. Ouais, il m'a viré sans PM. Ça fait beaucoup là, non? Tu fais plus de trucs. Mais non, tu t'éclates? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je bouge. Allez, toi aussi tu bouges pas. Ah. Fais pas appui, hein. Fais pas appui. Hein. Pourquoi? Ah, parce que tu vas finir à côté de moi. Oui, mais qu'est-ce que je fasse? Tu fais appui, mais sur le Hashimagari, si tu veux. Mais non, mais tu fais furie, là, oui, t'en fous. Quelle question? Bah oui, d'accord, je viens de comprendre. Oh putain! J'aurais donc fait appui sur toi? Ah bah non, je peux pas. Non, j'aurais fait défense. Bon, là c'est bon pour la gargouille. Et 100 PM! Oui, moi aussi j'en ai 100. C'est trop bien! À côté d'un allié. Ouais, je sais, je réfléchis. Tu peux taper le bout. Bah, tu soit peux taper le coin une fois. Quan. Ouais, le coin. Et tu peux taper le boustache. Le boustache, ouais. Là, maintenant, faut baisser la vie du vampire et après, on va tous les tuer un par un. Il a aussi Magari, là. Ah, on s'en fout, non, c'est une invoque. Putain, mais il a des résistances. Alors, pour savoir si c'est une invoque, tu vois, dans la timeline, elle est plus petite que nos carrés à nous. Regarde, ah oui. Le dragon et le crapaud, oui. C'est des petites ouais, icônes okay. Et c'est juste après moi, donc c'est des invocations d'accord. À moi. Et la Hashimagari, c'est une invocation du boustache.
voilà. Ok. Waouh. Ça va, lui? Ouais, ça va. Putain. Ça m'énerve. Thomas, courage, il faut aller taper le vampire. Ah bon, bah, moi, Thomas, PM. Tu démerdes. Tu peux rien faire. Au pire, s'il reste que le vampire, c'est pas grave. Hein. Bah, il faut d'abord le tuer. Les autres. Bah, si tu les deux autres, hein. Bon, ok. Fais ce que tu veux. Je peux faire la libération? Non, bon. Ah, je peux encore bouger, moi. Si je peux bouger. Je tape le vampire. Ah ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Elle est où ma grenouille? Elle est morte. Je vais la lever de devant comme ça. Ouais. Ah, moi aussi PO, putain. Ouais. Est-ce que je peux me mettre à l'angle du bois là? Ici, pour pas que ça vous gêne après. Ici? Non, à droite. À vraiment droite, à l'angle. Là non, l'autre. Non, à droite. Là, voilà. Ouais, ouais, oui, vas-y. Oui. Comme si tu peux même taper le vampire. Oui, c'est pour ça. T'as au pire, t'aurais peut-être même peut-être pu le tuer. Bah c'est bon, on peut le tuer là. Ah, attends, faut que je joue en dernier, sinon le booster, ouais, je vais les ressusciter. Donc c'est Thomas qui commencera à les tuer. Ouais. Et tu peux pas avancer pour commencer à taper le... Ouais, au pire, tu peux faire ça. Bah flamèche-le. Je tue presque. Si, oh, si, putain. Je tue presque. Tu es pas le boustache. S'il vous plaît. Bon Thomas, tu as droit de tuer le coin. La gargouille. Et tu bouges pas. Ça risque d'être facile vu que t'as moins de PA. PM. Ok, ensuite moi je tue le vampire. Et je tue pas le boustache. Merde. Bah Jack le tue, hein. Ouais c'est vrai. Non, j'ai mangé rapide. Mais non, regarde. C'est à toi de jouer là. C'est à toi de jouer, tu tues le boustache. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Mets-toi là. Ici, là? Okay. Oui, vas-y. Mais non. Mais non. Mets-toi là. Voilà. Et maintenant, tue-le. Eh ben. Oh, c'est pas grave. Mais pourquoi il fait si peu de dégâts? Parce que quand il fait un sort critique, les dégâts sont réduits, mais il gagne 50 de chance pour deux tours. Alors, je pensais pas qu'ils étaient autant réduits. Ah, si, ils le sont. Déjà beaucoup. Bah, on a réussi. Ouais. On a réussi. Un rab ma blague. Un rab marac. Pardon. Oui, j'en ai beaucoup de ça. Taché de cendre éternelle. Oh, tellement d'XP. Oh, oui. J'ai pas l'air bien. Tellement d'XP. Oh, on a appris une aptitude pleurer. Trop cool. Waouh. J'adore la bubble. Moi aussi. Bon bah c'était un donjon rudement bien mené. Il fallait bien cliquer sur sortir, ok. Ouf. Quoi, moi je l'ai pas... Ah, c'est quand tu sors? Non, c'est quand tu dis bonjour au monsieur. Quoi? Bah tu cliques sur le monsieur de la quête et puis voilà. Ah ok. Tu me fais peur là, tu sais. Et quand tu sors? Oui. Bon bah c'était bien. Et maintenant On peut aller voir Emma Tompousse pour rendre la quête. Qui est à Strubes, c'est ça ? Oui. Elle est à Strubes. C'est pas ma guerre. Ok. Le mec s'appelle C'est pas ma cité guerre. Cité d'Astrub. Oui. Son de rappel. Il est où Emma Tompousse ? Dans ton cul. En 1-15. T'es à droite ou à gauche ? En bas à gauche. Putain, je suis trop fan. J'adore qu'ils aient fait ça, sans déconner. Mais la rétro, hein. Avec le début là.
Bienvenue sur les services en ligne. Oh non. Ça c'est non. Oh putain, les allopas de ces morts quoi. 20 allopas noir nac. Le grand dino vient de passer 32. On est content pour lui. Il a dit en premier. Oh, 1 moins 15. Quoi, quoi. Quelle est la suivante? Voilà. On fait le donjon des chasseurs. Allez. Des chasseurs. Allez, ok, ça va. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai comme zap? Fais une info au chou. Allez. On fait pas les quoi-quoi? Non, on fait d'abord le chauffeur et peut-être après le quoi-quoi. Jacques, il va zoom, il vient de passer 59, salaud. Oh, espèce de sale petit. Ah, mais tu vas me dire, je gagne un niveau dans 8000. Donc ça va. Tu as le droit. Bon, j'attends, moi je me dis. On va être téléporté, t'inquiète pas. Oui, oui, je vais TP. Okay. C'est bien, hein, les donjons, on a rien à faire. On va mettre des points dans chance. J'avoue. Je mets 6 points dans chance. C'est en train. Je suis et la voiture. Vous demande de cocher. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Et le grand tout vous demande de faucher. Ah oui, putain. Apparemment, ça va être fini bientôt, là. De quoi? Bah attends, la saison 3, elle vient à peine de commencer. Elle a commencé? Oui, dimanche. Oh merde, je l'ai pas vu. Oui, enfin, je veux dire qu'il écrit le dernier livre, je crois. Ou il a écrit le dernier livre. Il l'a écrit, non, Thomas, toi qui sais mieux. La petite mort. Comment? Pourquoi? Elle est sortie. Oui, voilà, c'est fini, là, il l'a sorti et c'est terminé. Mort? Oui, c'est voilà. Fini. Je confirme l'utilisation du trousseau de clé. Eh, c'est marrant, c'est pas le même dialogue que dans 1.9. Ah bon? Il clic clac clic clac parce que chaque fois il dit clic clac clic clac. Et là il disait. Tu le fais vachement bien. Hein. Ouais. Et tu sais ce qui est vachement bien aussi? Non mais tu vas me le dire. C'est Jake qui va nous dire sa blague de salace parce qu'il est 22h passé. Ouh là là, le teasing. On va faire des jingles pour ça. Après la pub. On pourrait en plus, on sait les faire. Ouais, on pourrait, mais j'ai la flemme. Oh, tu préfères jouer à LOL, c'est ça? Non, ça part préfère, en clip. Je préfère être hors écran. Je sais pas. Je préfère être platine. Je vais me mettre là. Alors, MPM, intouchable. Bon, on les a fait, les RIB et les... Ah, peut-être pas le primitif. RIB, non. C'est la première fois que je vois des RIB, toi. Bah, y en a. Ah, mais non, c'était un monstre incarnable. Enfin, je crois, je sais plus. C'est pas grave. Oh là, oh là, oh là. Il lance le curare. Curare, ya, oh. Ah, et moi, y'a. Yeah. Ok. Tiens. Yeah. Oh. J'ai envie de dire, c'est quoi ça déjà? Oh putain! Merde! Bravo, bravo, bravo. Ah, je me suis mis devant Guillaume en plus. Ah là, j'ai bien loué là.
Même ta Claudia, elle applaudit. Putain, ouais, j'ai fait n'importe quoi là. Pire tour du monde. Même qui m'applaudit? Ta chaudière. C'est mon chauffage, Kono. Et il applaudit plus là. Oh. Je suis pas content. Ça déjà, c'est Peach. Mais non. Parce que Peach... c'est un Joséphine. Joséphine, il m'a volé mes légumes. Non! Il m'avait juste volé mes légumes! Ta gueule! Ta gueule! Tu voles, tu payes, t'es ma pute! Oh! C'est pas toi qui disais qu'il y avait Yann qui devait dormir? Là, il doit être content. Voilà. Pour sûr. Par sang bleu. Oh putain, c'est qui est con. Mais pourquoi je me prends des dégâts? Jake, oui. Max Pixel vient de rejoindre le combat. Max Pixel. En tant que spectateur. Qui est cet homme les plus étranges? Mm-hmm. Tu sais là, entends la blague. Mm-hmm. Ah, tu veux la blague? Allez. C'est la blague, c'est la blague, c'est la blague. D'accord, merci beaucoup. Alors, t'entends que pas, peuvent hein. dire, que peuvent dire deux personnes, joueurs ou joueuses d'échecs, pendant l'acte d'amour? De donner des propositions, genre. Ça part en clip, ça. C'est le bide. Mais vous donnez même pas de propositions. Mais ah, je réfléchis, mais c'est difficile. Oui, je réfléchis, ouais. À part je prends ton roi, je prends ta reine. C'est pas très. Niveau 59. Je sais pas trop. Check et mat? Non. Putain, je vois pas. Réponse. Oh oui, bouffe-moi le pion. Vous arrêtez cette aventure-là, vous allez finir à 3 en fait. S'il y a Dacon qui passe par là, je lègue mon compte. Dacon, toi qui voulais jouer. Souviens-toi, je te rembourse ton don, tu prends mon compte. Jake, viens dans le combat. Rejoins-nous. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'étais en train de mettre la veste et de partir. Hein. Engaki. Engaki. Encore zombie. Blitzkrieg. Lino en bagnador. Bengaki. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Je sais pas. Putain, mais... Mais ça y est, il a pété un plomb, je crois. Quoi? Là, je comprends plus. Ah, il est sous. Oh là là là. On fait échal? On peut faire le premier, ouais. C'est celui qui le collait. Maintenant, lui. Un point de mouvement par contre. Putain, je suis taclé. Ah, mais non, regardez. C'est bon. On ne dort pas. Il a éternué. C'est qu'un seul PM. Ouais, il faut taper le chasseur primitif. N'importe, Tu tapes qui tu veux. Ah bon? Oui. Oui. Ah.
Et on est obligé d'utiliser des PM ou c'est pas grave? Oui, va là. Faut bouger de 1 à chaque fois avant de taper. Oui, mais ma question c'était si on bouge pas, si c'était aussi si c'était grave ou pas. Oui, c'est grave. D'accord. Il faut absolument bouger d'une case. C'est à moi. Je l'ai dit en premier. Allez, c'est à moi de jouer. Oh, merde, je peux pas bouger. Ah merde. Que j'avais ça. J'allais rebouger. Oula, c'était rare. Tu bouges de 1 et c'est tout. Voilà. Parce que tu peux pas faire plus, malheureusement. Est-ce que je peux sortir le chat? Ouais, tu peux. J'espère qu'il va pas nous bloquer. Voilà. C'est pas mal son agilité. Ouais. Genre vraiment, oh, ça me fait du bien. Début du tour de jeu encore. Putain, t'as pris des dégâts. Mais je suis bientôt mort, hein. Ça, c'est dommage. Oh. Ouais, c'est vraiment dommage. Oh, je vais mourir, comme toi. Ah non. Bah, t'as pas un petit graou, là Voilà. Alors, faut pas se plaindre. Les pains que j'ai là et... Ah oui, c'est dans une poubelle. Et à la fin du donjon, on aura le sort du chauffeur fou. Ouais, génial. Un challenge nul en plus. Le retour du chauffeur. Et... Un Français invente une intelligence artificielle pour couper le son de sa télé dès qu'il y a de la publicité. Wow. C'est trop cool. Thomas, tu viens? Ah ouais, attendez, je lis un article super intéressant. Ouais, excuse-nous, quoi. Franchement, on est cons, monsieur. Tu veux pas nous dire la météo pour demain? Ouais, fais-nous la météo, fais-nous tout, là. On attend toujours la météo, hein. Ouais. Oh putain, faut faire ordonner... Décroissant, alors. Ah mais ça je sais, faut... Alors d'abord le chat faire drogue. J'ai jamais compris le jeu de mots. Je crois qu'il y en a pas en fait. Dogre. Drogre. Dogre. Mais comme c'est un chauffeur et qu'ils ont des trucs... Ils... Ah ouais d'accord. Merci. On a toujours pas compris. Non, moi il m'a... Un ogre. Un marche ogre. Marche pas sur la case, s'il te plaît Guillaume. C'est une mine. Oui. Une mine. Putain, j'en peux plus de vous. Alors, techniquement, si non, par inadvertance, je marche dessus, ça m'OS. Non, ça t'OS pas, mais non. Ça te fait des dégâts. Donc tu ne veux pas marcher là-dessus, pas vrai? Non. Le choix, par contre. Moi?
quoi, moi? Le chat, le chat. Ah, le chat, si tu veux. Fais des tests. Fais des tests. On va se faire... Au revoir. On va avoir Brigitte Caroline. Non, la mine. Ah merde, oui, bah vu que c'est lui qui l'a créé, si je le tue, bah désolé. J'avais oublié ce petit détail, tu pourras pas tester ton truc. Pardon. Non. Mais c'est trop bon. On va recommencer. Le primitif, c'est ça, hein? Oui, oui. Reste près de l'invisible, Guillaume, si tu peux. L'invisible, c'est lequel? Bah, celui qui est invisible. Celui qui part pas très... Badoum. Tu peux même commencer à le taper, si tu veux. Je peux commencer à le taper. Oui, parce que tu ne peux faire que ça. Voilà. Tu peux le c'est refaire. Voilà. Voilà. Et tu restes près de lui parce qu'il risque de devenir invisible et qu'on a besoin de ta détection. Enfin, taper ah, ça. Je détecte les invisibles. Les perceptions. Ouais, tu peux faire ça, mais bon, là, on s'en fout, il est pas invisible. Ok. Mais ouais. Grâce à ton sort perception, lis-le bien, ça dévoile les choses autour de toi. Waouh. Mais ouais. Thomas, faut taper le chauffeur primitif, s'il te plaît. Je vois ça. Fais le plus vite, s'il te plaît. Tu me bah, s'il te plaît. Tu te crouilles. Prends ton temps, vas-y. Il faut tuer le chauffeur fantassin, Thomas, s'il te plaît. Comme ça, là, tu vois. Tu fais splur, splur. Puis après, tu fais fluff, fluff. Puis après, tu fais ça. Puis après, tu fais ça, tu fais splash, splash. Wack. Allez. Bah, du coup, tu le Yam, s'il te plaît. T'as, je t'ai fait un tour de fou, là. Je suis trop content. Non, j'ai dit de le tuer, s'il te plaît. Ah, c'est avant que t'aurais dû le faire. Ça l'aurait tué. Oh putain. Ah, oh, c'est trop drôle. J'en peux plus. Ça me fait rigoler. C'est la dernière? L'avant-dernière. Ah, bon, là, les chats, on s'en fout sur ça, là, sauf s'ils sont faciles à faire. J'aime que la facilité. C'est parti? Oui. Oui, c'est parti. Oui, oui, oui. Me lance pas, parce que je suis très bon, hein, j'étais en forain. Oh, c'est parti. Oh, y'a, y'a, on attrape la queue du Mickey. Je t'ai dit que j'étais balèze. les bras, pas de bras, pas de chocolat. Ah, ils disent vraiment ça, maintenant? Oui. Oh, merde. Ça a toujours été un jingle. Ah bon? Oui. Ah, j'ai jamais entendu ça, par contre. Allez, vas-y, attrape le pompon. Putain, j'ai pas de train avant... Fille, ça. Il y a des pièges partout, si tu veux t'amuser. Oh, putain. C'est trop drôle. On l'a le succès sur le chauffeur normal? Je te dis ça. Je crois qu'on l'avait pas, il y en a pas eu depuis le début. Ah si, peut-être, je sais. Non, il y en a pas dans ce donjon, je crois. Ah. Non, chauffeur normal, on l'a pas fait. Ben on fait quoi? Anachorète. Pourquoi il y a un chauffeur normal? Ah oui, bien oui, vu. Oui. En ce moment que je suis, sans déconner. Mais oui. Putain, mais... C'est quand même incroyable, ça. Mais vrai. Oui. Présenté par... Beaucoup de monde. C'est vrai. Incroyable. Ah non, mais le chaton, non. Ah quoi? Non, 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 non. Quoi, pourquoi? Bah, il va se coller à nous,
Il faut pas qu'on soit collé à un allié, Guillaume. S'il te plaît. Mais c'est pas grave, si lui il finit à côté, c'est pas grave. Ah d'accord, bon. Mais il va peut-être pas aller sur le piège, il est con, mais pas à ce point. Hein. T'aurais peut-être dû l'invoquer sur le piège, si tu voulais tester ton piège. Non, j'ai pas pu. Bah, il fallait bouger. Mais oh, mais il en a rien à foutre. Il est censé plus. C'est peut-être une glyphe, si tu finis ton tour dessus, c'est un peu la merde. Ouais, ça doit être ça. C'est peut-être ça qui t'a mis des dégâts, d'ailleurs. Je peux toucher ton boutou, Eric ? Oui, vas-y. Ah, quand même. Allez, bouge. Merci. Je peux tuer quelqu'un ? Oui, tu fais ce que tu veux, là. Fais-toi plaisir. Ah ouais. Fais-toi plus. Avec plaisir. Avec plaisir. Une vue sur Meur. D'un balcon avec vue sur Meur. Laisse le fantassin à Jack, comme ça on fera partage. TKT. Moi ? Oui. Mais j'en ai pas tué, moi. Oui, mais tu tueras le drogue. Ah oui, c'est vrai. Je suis tout prêt, j'y vais. Mais bon, je vais te l'approcher, t'inquiète pas. Salaud. Putain, je peux même pas le taper, Teb. Cours. Teb. 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 Pourquoi Teb ? Teb. Teb. Ça va ou... Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il nous fait une attaque. C'est une ville, Teb. Mais oui, merci, on sait ce que c'est une ville, Teb. Des discours incohérents. Comment reconnaître une crise cardiaque ? 25% de critique. Ah oui, quand même. Mmh. Ah, faut pas que je finisse à côté. Non. À côté d'un cercle rouge. Oui. Yes. Voilà, je finis mon tour. Ok. Espèce de sac, petit fils de pute. Le tue pas, s'il te plaît. Ce qu'il y a entre parenthèses, c'est les coups critiques. Bon, allez, passe ton tour, va. Ça ira mieux. De rien. GG. On a gagné. Oh, il a droppé un casque. Il est trop fort, Guillaume. Il droppe des choses. Ouais, génial. Ça le fait. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire contre lui ? Il y a comment il faut faire tous ces PM et le buter en premier. Waouh. Attends, quoi ? Il faut utiliser tous tes PM. Ok. Il faut tuer le boss en premier. D'accord. Donc se déplacer tout le temps. Et tuer le boss en premier. Alors, particularité du boss, il a un sort qui lui permet de se quadrupler. Évidemment, avec perception, il peut pas avoir le double. Et non, il sera en 4 exemplaires, sauf qu'il pourra faire des dégâts que sur un seul. Les autres, c'est des comme le sort des roublards, en fait. Oui, c'est ce que je dis, je crois que perception, ça annule ça. Ah ouais, je crois, ça a vérifié. C'est-à-dire que dès qu'on le tape, il disparaît ? C'est ça, mais il prend pas de dégâts. Ok. Tu sais, ça fait un nuage de fumée à la Naruto. Donc en fait, faut le mettre des petits dégâts s'il se divise.
Et c'est là que j'interviens. Grâce à mes invocations. Oui. En vrai, je... Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Oula. Ah, Nino nous dit coucou. C'est bien, et deux heures après. Coucou. Mais non. Si, si. Elle a écrit il y a deux heures? Mais non, mais ça fait un bon quart d'heure déjà. Ah, mais je l'ai pas vu, moi. Attends, je l'ai dit deux fois, exprès pour que tu l'entendes. Ah, j'ai pas même entendu, Thomas, je suis désolé. Même moi. Même désolé. Moi. Pardon, pardon. Bah, au moins, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Pardon. Ok. Donc, faut faire tous ces pères. Ah, il voilà. Y a même élitiste. Allez. Élitiste. C'est très bien. Attends, attends. Ah oh, merde, je suis... Comment un truc le plus simple? Attire-le. je suis trop loin. Mais putain, mais quel imbécile, oh, il a dépensé ses PM à faire de la bouse. Il est content. Oh, j'ai bien bousé. Oh, voilà. C'est ça. Ta gueule, toi. Ce type. Ouais, t'es fada. Je t'entends troller là au fond. Le troller de l'extrême. Oh, on peut mettre une cahuète? Non. Pourquoi faire? Ah putain, mais c'est toutes les attaques doivent être concentrées sur le Ronin. Oui, on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Ah pourquoi? Oui, on peut, mais... Parce que j'ai pris le cœur. Si tu m'en veux pas, moi, je vais le faire. Il a combien de vie, lui? 680. Gros dégâts. Que 634. Il l'a pas fait. Ouais. Il y a bon. Peut-être un coup d'un. Que 676. Jake. Quoi? Eh, il a fait une rien, rien. Il fallait pas faire ça? Si, si, utilise tes PM. C'est exactement ce qu'il faut fallait. Faut absolument faire. Bouger, Guillaume. Utilise tes PM. Pas voilà. Il est fada, lui. Tu fais quoi? Rien. D'accord. Rien, rien. Mais il faut qu'on tue le boss en premier, en fait. Et c'est pour ça qu'on attend que notre cher secrétaire la tire. S'il peut. Oh putain. Il est non, perdu ce sort. Tu vas au corps à corps et tu le tues, s'il te plaît, là j'en peux plus. M'a gonflé. Tu fasses un bouclier ou que je... Tu le... Fais un bouclier, ouais. Va le tuer. Et utilise tous tes PM. Bah ça c'est fait. Oh critique. Allez braise. Allez braise. Oh non. Oh putain. Attends. Tu peux te dégager? Oui. Grâce à mon nouveau sort. Ouais. Dakon-san a déverrouillé un succès, bravo Dakon, je suppose que tu nous suis vu que t'es sur Dofus en même temps. Du coup je réitère ma demande, je laisse mon compte. Ah ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà, quatre. Et ben voilà. T'avais dit 4. Putain mais comment on fait là? On voit plus grand chose sur l'écran. Oui, on sait. 2 PM. Oh là là. Utilise ces 2 PM, oui voilà. Merci. J'y ai pensé. Oh putain, non, là c'est la grosse lose. Oh putain. Bah fait foudroiement, tant pis. Il a mis un shield. Nino a laissé un appel d'urgence sur le chat. Je me sens ignoré, je vais bouder. Mais non. C'est juste que je vois pas tout. Bravo, élitiste. Bah désolé. Hein. Et ce n'est pas putain, le chauffage. C'est pas lui, bravo. Désolé. Je sors. Bon bah tu peux commencer à taper d'autres trucs, hein, Guillaume, c'est vas-y. Ah on s'en fout maintenant. Bah pff, oui. Oui, il a tout ruiné. TPM Thomas, TPM. Ah oui, les PM Thomas.
Ouais, mais je... Ouais. Et puis en plus, là, t'en as beaucoup, de quoi. Hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai tapé le mob ? Mais non. T'es sûr ? Ouais ? T'as une case TPM. De... TPM, TPM. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi ? Et j'ai tapé deux fois sur la même case ? Mais oui, mais une case vide. Non, non. J'ai tapé sur le chauffeur Ronin. Est-ce que dans la description du sort il y a écrit ce sort nécessite une cible? Parce que si c'est le cas, c'est la merde. Cible nécessaire. Ouais, voilà. Cible nécessaire. Ah, oh, donc ouais. je peux savoir si c'est le bon ou pas. Ouais, avec Furia, oui, apparemment. Oh putain! Alors déjà TPM. Utilise TPM, Jake. Et tu peux commencer à taper le drogre. Sans le tuer. Lequel? N'importe. Celui que tu veux. Celui que tu veux. Tant que tu le tues pas, ça me va. Moi je vais commencer à me retrouver bloqué là. Avec toi. Ouais. Mais ça va là. Nino qui dit est-ce que vous allez bien? Bah ça se voit en stream hein. Ouais ça va. Oh putain c'est tout moule. Voilà. J'ai un petit bouclier de 21. J'ai pas... T'as fait le bon? Ah tu peux pas bouger. Tue-le. Ah merde. Tue-le. Tue-le et tout nos suicides s'en iront. Il reste 300. Mais écoute je l'ai fait les 300 sur là. Jusque là il fait aucun effort, c'est tout. Tu peux taper le primitif? Oui, tu oui, peux commencer à le taper sans TPM, tuer. TPM, fais appui. Le mec, tu lui dis même quoi jouer, tu sais. Fais appui et puis tu fermes ta gueule. Ok, d'accord. Encore 2 PM. Waouh. Il bouge vachement vite. Il aime bien Cabrio. Oui, il va se coller à moi, je vais l'avoir dans l'os. Il est sympa quand même. Oh, alors, moi. Il aime la randonnée. Quoi? Épée. J'ai tourné la tête et ma carotte a bougé. Oui. Oui, c'est moi. T'inquiète pas. Non mais les invoques ça compte pas. Eric. Oh putain. Putain de merde. Guillaume, oh. Est-ce que tu peux t'approcher de moi et faire perception? Tu es où? T'es là. Alors, un, ouais. Deux. Tu es TPM. Tu peux te coller. Merci. À moi en fait. Voilà. Et c'est quoi perception? Ouais. Il est où? Ouais. Perception. C'est pas grave. Je fais perception sur toi. Oui. Vas-y. Ok. C'est bon. Waouh. Plus que deux. Le tue pas, hein, mais... Non, c'est pour ça. Ça nous... Il y en a plus que deux à taper, quoi. Donc tu peux faire ta croix, non? Ah, voilà. Oui. Très bien. Maintenant, tu le tues, s'il te plaît. Tu bouges, et tu le tues. Je peux pas être à son cac. Dépêche-toi. Tant pis, ben. Mais je comprends pas, il te tape. Bah tu vois, tu l'as tué. Oui, oui, c'est non, bon. Mais je pouvais pas être à son cac. Alors maintenant, il nous manque plus qu'à bouger tout le temps et à le tuer. Nino, c'est bon, Jake, aucun autre souci avec le site. J'en sais foutrement rien, j'y suis pas retourné depuis en fait. Et tant qu'on m'a pas relancé dessus en mode eh, ça bug, je vérifie pas forcément. Voilà. TPM, Thomas. Eh ben, t'inquiète pas, c'est pour ça que j'ai fait fougue. Il est trop fort, Thomas, il a tout compris au jeu. Oh ah oui, quand même. Bonjour. Fais-moi combien? J'adore la Google Cam. Il lui a mis. Je m'en vais. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas peut-être besoin de faire partage. Tiens, je t'en envoie un autre, s'blé. J'aurais pas besoin de faire partage, bah si, si le mec est mort... Non, je crois pas. Ah si, si. Si, 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 si. Ah merde, alors. Ou critique?
Oh. Nul, zéro. TPM. TPM. Ouais, mais je peux pas. Change de place avec moi, tant pis. Ou avec le tofu. Oh. Ah, pousse-toi. Merci. 18. Oh putain. Toi, tu fais peur en fait, à mon sujet. Maintenant, je suis pas du tout dans la merde, un peu, j'adore. Ah, mais non, je suis pas. Aïe! Ah, mais il est mort! Ils se tuent entre eux, quoi. Ils sont cons, ces squelettes. Oh! Do something. Oui, t'en es ta pesanteur. Mais je peux rien faire. Ah, d'accord. Oh. Ah, c'est ça, pesanteur, ok. Mm. Tu vois qu'il peut faire des choses. Oufissime, je te l'accorde, mais... TPM... Ok. Au moins il est pas en grève. Oh, m'en parle pas. On a gagné. Utilisé tout TPM ? Oui, oui, oui. Non. Là, oui. Non, il l'a pas fait. Bah si, si, j'avais zéro. Hein. Non, non, tu l'as pas fait. Quelqu'un l'a pas fait. De quoi, de quoi, de quoi ? On a que premier. Bah merde. Elle est merde. Flûte, on dit, oui. On dit flûte ou mince. Eh ben, soit. Tu vas aller faire quoi? On sait pas qui l'a planté, donc c'est pas grave. Mais demande ce secret. D'utiliser tous ces PM. Ah, alors j'ai tout le temps fait. Est-ce qu'il faut dire bonjour ou au revoir, j'ai oublié. Tu dis bonjour. Ok. Sinon. Bah tu restes dans le donjon. Non non, sinon je vais faire niquer ma mère, bon bref, c'est pas grave. Et demandez à apprendre. Vous l'avez appris ou pas? Oui, t'es obligé. Ah bon? C'est chiant. T'es obligé. Je vais recommencer un personnage. D'accord. Bon, c'était bien. Ça fait deux donjons. Ça fait une journée. Est-ce qu'il faut rendre... Ah oui, le maître des clés. Oui, la quête. Il faut... C'est à Strodung. Ah mais non. Non, c'est au lac de Cagna. Oh putain, c'est où ça? Oh. C'est au lac de Cagna. Merci. De rien. On a un zap pas loin. Oui, le lac de Cagna. Le zap des lacs de Cagna. Putain, je peux plus. Je crois que je l'ai pas. Moi non plus. Pourquoi? Je sais pas. C'est quoi le plus près? Cagna... Les plaines des Porcas, c'est loin. Ah tiens donc, ah ouais. Se téléporter. Bon bah, plaines des Porcas. Je vous attends là-bas. Et c'est où ça? Ah, il a le zap, lui. Ah. Ouais. Putain, mais comment on a pas pris le zap? On est con ou... Oh, tu minais juste à côté. Non, c'est vrai. Oh, je suis un génie, oui. Moi. Ah, je suis un génie de l'audiovisuel, là, c'est... Oh, il y a des goujons, des truites, des poissons chatons et des carpe diem. Nul, il faut des sardines. Vous avez bien dit plaine des Porcas? Oui. Mais t'as pas toi, tu l'as, le lac de Cagna, Guillaume. Ah, fallait aller au lac de Cagna? Oui. Tu peux y retourner. Et où? Il faut que t'ailles voir le maître des clés, Guillaume, si ça te dit quelque chose. Ah, ça se passe partout. Oui. Et alors, je suis au lac de Cagna, je vais où? Au maître tu des vas clés. En ou à droite, en 6, moins 37. Moins 6, c'est par ce côté. Clé du donjon des tofus. Oh. Mais les tofus.
Il m'a fait peur ce truc. Oh, il y a des blobs devant moi. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Moins il est où le zap pour descendre. Ah oui, il faut à droite du lac. Ah ouais. Ah oui, à prendre le zap. Prendre le zap. Bon, je prendrai pas. Le bateau fou. Oh, faut faire tout le tour. T'es passé par en haut ? Ouais. Bien joué. Bon, je vais passer par l'autre côté. Je remonte. Ah oui, mais il y a des trois partout ici. C'est trop bien. Il y a personne. Ouais. Fais-toi plaisir, Thomas. C'est ce que je fais. Ouais, oh, y en a moins que dans les égouts quand même. Je sais pas. Hein. Moi, ce que je faisais, c'était le long de la rivière Kawaii. Oui, mais. Oui, mais. Dans les égouts, t'as le poisson au-dessus, il me semble. La sardine. Je crois. T'es à quel niveau, toi, de. Moins de 80. Aussi, je crois. Non, mais je sais plus. En fait, je voulais pas me faire chier avec. Ah, Il y en a un qui a passé niveau 60. Le dernier encore. Bravo. Bravo, Jake. Tu vas pouvoir avoir une monture. À vous. Ouais. Je n'ai pas entendu. Veuillez répéter. Mais ta gueule, quoi. Je n'ai pas entendu. C'est ma montre. On adore la technologie. What the fuck? Je vous ai pas entendu. En plus, la voix est dégueulasse. Ah ouais, elle est vraiment ignoble. Pardon, mais j'ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu, mais il est répété. Tu nous TP ou chose. Mais merci. De rien. Tu nous TP, Louis, ou on... Vous voulez continuer donjon ou est-ce qu'on... On va sur l'île de Moon. On fait un vote, moi je dis qu'il bluffe. Moi je dis qu'il bluffe pas. Non, il bluffe pas, ça se voit. Il met des tapettes à souris partout par terre. Monsieur n'est pas une tapette. Monsieur est commissaire de police. ben, comme vous voulez. Nous avons été stop toutes les deux. Moi je vote blanc. Tu voilà. Votes blanc. Moi j'ai voté blanc, mais les autres ils veulent pas se prononcer. Ils votent juste le blanc. C'est la question est simple. Est-ce qu'on fait des quêtes ou est-ce qu'on refait un donjon? Il est dur. Il y a une différence donjon tofu et tofu l'araignée. Bah oui. Tofu l'araignée royal. Bah là ouais. Niveau 50 et l'autre est niveau 120. Voilà ta différence. Si on termine le tofu, on a des succès ou pas? Est-ce que ça entraîne d'autres succès qui permet d'avoir genre tous les succès par exemple des donjons de Amakna? Oui, hein, sûrement. Pourquoi? Ben, pour savoir si on peut avancer. Avancer dans quoi? Sois plus précis, s'il te plaît. Non, si on fait le donjon tofu, il faut faire encore un autre donjon après pour valider un succès. Ah, voilà, c'est ça que je voulais savoir. D'accord.
Non, mais normal, non, on peut commencer à aller sur le démon, ce sera normal. C'est comme vous voulez. Vraiment. T'es à combien de ton niveau 60, Eric? Très peu, j'imagine. Ouais, un carré. C'est-à-dire, je suis à 83%. Parce que là, à la limite, on peut essayer de voir pour les montures aussi, juste en suivant. Mais tu l'as, toi, ta monture, non? Bah, non, rien. Moi, je sais que je suis niveau 60, j'ai pas bougé de la tour depuis tout à l'heure. Mais on te l'a pas fait acheter? Ah, ah merde. Non, j'ai pas ce souvenir là. C'est quoi qu'il lui faudrait lui? Je te dis ça. Ah, parce que c'est chacun doit aller à un endroit spécifique, c'est pas tout le monde au même endroit. Alors chacun doit acheter sa mère de nuance. D'accord, mais. Non, je peux. Et potentiellement la montée. Ah putain, oui. Ça, c'est nul. Non, c'est que. Toutes les montures, il y a plusieurs types de montures qui donnent des caractéristiques différentes. D'accord. Toi, il te faut un Volcorn doré indigo. Ah oui, c'est possible. Ben oui. C'est hyper possible. Un Volcorn doré indigo. Et ça coûte 1 million de kama. Ah. C'est pas une blague. Et ça coûte. Non, c'est attends, sérieux? J'y vais, je te le dis. 2 kama. Putain, c'est plus bradé là, c'est donné. C'est donné, moi chaque est gratuit. Alors, doré indigo. Bah dans ce cas là, faut qu'on fasse peut-être un donjon. Ou... De toute façon, qu'on fasse les donjons ou les caisses, je vais le prendre mon niveau 60. Et moi, ma monture est prête. Ça coûte 800 000 kama. Attends, mature? Niveau 7. Aïe, mais je me suis fait mature alors. C'est le prix le plus bas. Oui, bah elle est mature. Si elle est niveau 7. Oui. C'est ultra cher, ça donne quoi? Attends, je suis plus à l'hôtel de vente. Tu le connais pas par cœur? Popopo, ça clash. Hein. J'en peux plus, oh là là. Hôtel de vente. Doré indigo. Ça donne 50 en chance, 100 en vitalité et 1 PA. C'est très bien ça. C'est tout ce qu'on aime. Papa. Hop, acheté, oui. T'avais la thune? Oui, oui, t'inquiète pas. Bah évidemment qu'il a la thune lui. 800 000. Ouf. Ah quand même. D'accord, je suis à 215 000. Moi aussi, je suis à 215 000. Jake, est-ce que t'es déjà allé à Bonta? À Bonta? Oui. J'en sais rien. Une je retourne ville, à Bonta. Une ville pavée partout. je sais pas. Il faut que j'aille à Brossac pour voir le TP pour le savoir. Ouais. Non, pas obligatoirement. Bonta, tu as dit. Alors, oui. maintenant, ce truc où habite Pandala, Kanya. Voilà, c'est tout. Tu l'as pas. T'es encore au. Là, je suis dans mon. Attends, parce que je crois qu'il a les champs de Kanya. Les champs de Kanya, je l'ai, oui. Bah, vas-y. Ah. Va au champ de Kanya. Et tu vas au nord, au nord. Et tu montes tout le temps jusqu'à arriver à la cité des anges. D'accord. C'est le petit Jake. Au calme. Pendant ce temps, on fait quoi après? Du café. Je vais acheter les ailes et les casques pour aller sur l'île de Moon. Allez, ok. Ben, moi, je vais découvrir la carte. Unité. Qu'est-ce que t'as dit, toi? C'est 500 000 unités. Je pense pas, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Bûcheron. Dacon X, coucou ici dans le chat. Bonjour, Dacon X. Bonsoir, Dacon X. On a beaucoup parlé de toi, Dacon X. Non. J'ai dit non. Quelqu'un veut dire une PM? Non. T'es encore avec ça, toi? T'as eu pas les mêmes ou quoi?
Bon. Non, elles sont... J'ai toutes mes runes dans mon havre sac. Runes à peu près. Oh Seigneur. Eh hey, non, j'ai un gel anneau. Oh, excuse. Meilleur le rendre toi ici, d'accon. Moi, je lui réponds pas. On peut mettre une bague, non? Le mec, c'est moi, je lui dis pas parce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais le public ne le sait pas. C'est vrai. Oh, j'ai 8 PA. Bravo, wow. Voter. La magie de Noël. Ah ben, Dofus accroche. Ah, ça faisait longtemps, ça, t'es. Ouais, ça faisait longtemps. Teb. Mais pourquoi? Mais pourquoi Teb? Oh putain. Ça aussi, ça faisait longtemps. Il applaudit ma blague. Ta gueule. Pour monter jusqu'où? Jusqu'à la ville. T'es arrivé à une ville ou t'es encore dans les champs? J'ai une ville en forteresse qui approche de moi, c'est moi plutôt. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que si elle, elle approche de toi, couvre. Mais dans l'autre sens. Oui, voilà. Arrête! Putain, Thomas! Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait que taper parce qu'il entend mon chauffage. C'est chiant, putain! Mais là, toi, ça te fait rire. Mais au quotidien! C'est lourd! J'essaie de trouver le truc qui fait pile le bon bruit! La fréquence! Je l'entends taper sur des trucs, mais putain! Ce type est un idiot! Mon fils est un idiot! À toi, droit. Votre enfant est con, faites-en un balai. Tiens-toi droit. C'est trop bien, ça. Je suis dans la ville forteresse qui m'a... Ouais. Tombé dessus, bien sûr. Va jusqu'aux apps, comme ça tu en auras. En bord de mur. Ah, il y a un zappi pour se faire transporter. Ouais. Ça sert à quoi? Transporter. Ça sert à voyager plus facilement dans la ville. Dans la ville, d'accord, ok. Donc là, je vais essayer de trouver un zap. Eric, t'as un gilano? Non. Gilano FM Invoque, ça t'intéresse? T'as assez d'invocations. Attends, je vérifie ça. Pour l'instant, le chat, il passe des petites annonces. Putain. La forge mage tout à l'heure. Invocation, je suis à 2. Ouais, monter à 3, ça pourrait être bien. Ouais. Bon, je te l'achète. Non. Alors que le pseudo chat en feu est sur mon écran. J'en peux plus. Les gens me fatiguent. Oh. La goyave. Alors, t'es où, Jake? Je m'approche du zap. C'est quoi le gel anneau que tu m'as dit? Un PA, un d'invocation. Putain. C'est dommage, parce qu'apparemment, t'as écrit qu'il me fallait un anneau PM. Ouais, mais... Ok, d'accord, excuse-moi de t'avoir dérangé. Pour l'instant. Aussi, hein. Putain. Fatigué. Mais non, mais c'est bon. Celui-là, il est pas mal pour l'instant. Ça vient. C'est vraiment débile. Ah, mais complètement. Hein. Je suis sur le zap de la bonté. Ouais. Maintenant, prends le zappi. Zappi zappo. Et je me dirige vers... Et tu vas à l'hôtel des ventes des créatures. Ah, attends, il me le propose pas. Ah, s'il faut cliquer là-haut. Mais qu'est-ce qu'il a, putain, mais... Ah, mais c'est un vrai TP, c'est pas un truc qui nous fait nous déplacer en animation et tout. Ah, t'es encore dans les achats ou pas
Louis. Attends, je donne le volcan à Jake. Ok, tu peux aller m'acheter un bouclier barbare, s'il te plaît. Ouais, je te fais ça. Et j'ai besoin, j'en ai besoin au niveau 60. C'est bon, Jake ? Oh putain. Je suis, oui. J'ai envie de lui demander ce qu'il a, mais j'ai peur. Attends, j'entends pas ce que dit Jake. Pardon. Oui, je suis là. Va à la map de gauche. Map de gauche. Mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Je crois qu'on les a perdus. Oui. Il va falloir donner une explication parce que là. C'est horrible. Oh putain, mais quel con ce type! Je peux pas valider. Si, si, mais attends, j'attends qu'ils arrêtent parce que je t'explique deux, trois trucs. Bon, Jax, tu sais passer donc un gelano. Oui. Donc tu vas le mettre, tu vas l'équiper à la place. Oui. À la place de ton scarafeuille bleu. Ok, gelano à la place du scarafeuille bleu, ok. Et après, en dernier, je t'ai donné donc un certificat de vol. Donc ça c'est ta monture, donc je vais t'expliquer. Oula, tu t'entraînes dans des trucs bizarres. Pourquoi? Tu peux déjà équiper ton anneau si tu veux. Oui, c'est marrant. C'est bon? Attends. Je cherche l'anneau que tu m'as dit. Car anneau bleu, c'est ça. Donc je remplace ça par ça. Ok. Les ailes, il faut que je les mette? Non, c'est pour plus tard. Pas encore. D'accord, donc ça je le classe ici. Là, j'ai dit que je voulais le classer là, bon c'est pas grave. Ok. Volcorn, arrêtez vous deux. Je vous vois faire des emotes, hein. C'est alors. Pas ça le plus marrant. Non mais je... Du coup, comment on utilise le... Le certificat? Ouais. Alors tu vois sur la map il y a un enclos et en haut à droite t'as une porte. Un enclos. En haut à droite une porte. Petite maison de Banta? Non, là où il y a tout le groupe de gens là. Tu le vois le groupe de gens? Je crois qu'il va falloir être un peu plus précis. Non. Clique. Ah oui, sur la porte de l'enclos. Le portillon, d'accord. Okay. Voilà. Ça lag. Ok, c'est bon. Donc, normalement, à droite, dans ton inventaire, t'as le certificat, oui. C'est ça? Oui. Donc, tu cliques dessus. Ok. Donc là, tu vois les caractéristiques du volcan. Oui. Et en haut, tu cliques sur équiper. Ok. Tu peux quitter... L'interface. Oui, mais je vais pas quitter le jeu, oui. Non. Et ensuite, dans tes onglets, là où t'as caractéristiques, tes sorts, inventaire, tout ça. Ouais, il y a monture. T'as l'onglet monture, voilà, tu cliques dessus. Ouais. Donc, en haut, tu peux la renommer. Ouais, non, je m'en fous. Je t'en fous. Non, c'est trop marrant. Mais j'ai pas trouvé de nom bien, moi. Je l'ai appelé ensuite, donc Gravini. Tu vois son niveau, tu vois quel est mon cave, qu'il est pas sauvage, donc tu peux le monter. Ouais. XP donné, donc là tu peux définir l'XP que tu vas lui donner. Donc là tu peux cliquer, tu mets 90%, c'est le maximum. À quoi ça sert? En fait, l'XP que tu vas gagner à la fin des combats, au lieu de le donner à ton personnage, tu vas le donner à ton Volcorn pour qu'il monte jusqu'au niveau 100, c'est le niveau maximum. D'accord, et quel est l'intérêt de monter la monture de niveau? Alors, en bas, tu as effet. En bas, quand ta statistique est effet. Oui. Clique sur effet. 3 de chance, 7 de vitalité. Voilà, et au niveau 100, plus tu vas monter en niveau, plus ça va monter les caractéristiques. Et au niveau 100, tu auras 50 en chance, 100 en vitalité, et tu auras en plus un point d'action supplémentaire. D'accord. Ok.
Mais là, du coup, tant que la monture n'est pas niveau 100, je lui donne 90% de mon XP. Donc là, c'est on va avoir de XP ralenti pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Ok. On va jamais s'en sortir après. Pas, hein. T'es pas obligé. Tu peux mettre 50-50. Oui, oui. Après, t'es pas obligé de mettre 90. Je sais pas, tu m'as dit mettre 90, j'ai mis 90. Oui, moi j'ai mis 90. Je crois que Thomas aussi. Mais... On m'a dit de venir, pas de venir avec des valises. Ensuite, en dessous, tu as énergie. T'es à combien d'énergie? Énergie. C'est la barre. Quand tu mets la souris sur la jauge, t'as combien? Moins 10 000, moins 258, 10 000. Non, en dessous de XP donné. Ah, t'as pardon. Énergie, expérience, fatigue. J'ai entendu. 0 sur 30 000. C'est pas moi. T'es à 0, donc tu peux pas monter dessus. Donc je vais t'acheter des ressources pour nourrir ton Volcorn, pour pouvoir... Parce qu'en plus, il faut s'en occuper. Non, juste pour l'énergie. Juste pour l'énergie. C'est rare. C'est très rare, oui. En fait, tu perds de l'énergie. Dès que tu changes de map avec ton Volcorn, tu perds, je crois que c'est 2 d'énergie. Et tu perds de l'énergie dès que tu montes et que tu descends du Volcorn. D'accord. Et ben. Voilà, donc je vais t'acheter les ressources pour le nourrir. J'arrive. Putain. C'est Thomas, ça. Oui. Ça résonne pas assez. Non. Il est chiant. À l'entendre en double, c'est pire, quoi. Surtout que maman et Yann doivent bien apprécier. Oh putain. Mais tu tapes sur quoi? Mon bureau. Ah oui, c'est pratique. Ouais. Sinon, il peut taper sur des bambouettes numéro 1. Hein. Tu peux me rendre le Scarano, s'il te plaît, Jake? Te rendre le Scarano? Ouais. Il est où? Ah, c'est la bague? Oui. Ok. Si vous cherchez quoi faire par la suite, il y a les quêtes alignement qui sont pas mal à faire en groupe. Ah ouais, en groupe? Ça dépend de l'alignement que vaut chacun, déjà. Si t'as trop de pépites, tu me les rends, Jake. Trop de? Pépites, ce que je viens de te donner. Alors, ouais. Toujours dans l'onglet monture. Ouais. Tout en bas, donc tu as monté, descendre de la monture, tu as nourrir monture. Oui. Accéder à l'inventaire. Ouais. Donc, tu pourras stocker des objets dans l'inventaire de ta monture. D'accord. Au lieu de les mettre dans le coffre de ton avant-sac, par exemple. Ok. Après, tu vas voir l'arbre généalogique, mais ça, tu fais pas d'élevage, donc tu t'en fous. Je viens de voir le dernier bouton vert, j'ai mal. Voilà, donc tu cliques sur nourrir une monture. D'accord. Et là, tu vois que tu peux lui donner des pépites. Alors, il vient de combien? Mais tous. Et si t'en as trop. J'ai tout donné et l'énergie est à 25 000. Ok, bon, c'est bon. D'accord. Ça suffit. Et pour le stream, le dernier bouton vert, parce que vous êtes à l'écran avec l'équipement, le dernier bouton vert de la monture, c'est castrer la monture. Oui. Voilà. Je vois pas où est le problème. Ma monture est déjà stérile, là, je le précise, c'est écrit à l'écran. Oui. Ensuite, si tu veux, tu peux aller au zap du village des éleveurs. Je sais pas si tu l'as pris tout à l'heure, le zap. Ça me parle pas. Alors, va falloir que tu refasses le chemin alors. Je l'ai peut-être pris, mais je m'en souviens pas. Tu triches un volcan, moi. Ah, faut que j'achète le bouclier pour aller. Oh, putain, mais elle est chiante cette ville en fait. Oui, tu veux venir manger demain soir? Non. Oui, si tu veux, oui. Il y a Michel, une tourte, c'est du riz et du poulet.
C'est génial. Moi je viens que s'il y a du poulet. Pas avant 7h30. Ok. Bonne nuit. Tu viens si tu veux. Alors, achat. Soyez sage. Bouclier. Bouclier du barbare. Alors, tu m'as dit le zap du village des éleveurs. Oui. Montagne des Koalaks, village des éleveurs. Non. Est-ce que t'as Montagne des Crackleurs? Ah, Magna, Montagne des Crackleurs. Oui. Va là, c'est le plus proche. J'y suis. Et tu... Le village est en bas à gauche. En bas à gauche. Alors attends, tu vas... tu montes, gauche, monte et gauche. Alors je monte, gauche... Ah, pour récupérer le chemin là-haut, là. Oui, faut que tu récupères le chemin. On retiendra qu'il y a Michel de la Tourte. C'est génial. Alors, Dacon qui dit sur le chat, il y a même un succès à castrer une monture, mais c'est horrible. Oui. Ah. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est pas un jeu pour vegan, hein. What? Ça n'a aucun rapport. What? Je ne suis pas d'accord avec ta politique actuelle là. Une différence entre Bouffetou Albinos et Bouffetou Mélanique? Oh oui, tu vas vite la comprendre. Wakatp Baboon vient de passer niveau 159. Ok. Oh la vieille référence de... Oh putain. Alors attends, je vais mettre la map. Oh putain, il est loin. Un peu, oui. C'est bon, j'ai ton bouclier. Merci. Mais Thomas, il triche. C'est tout ce qu'il te fallait ? Ouais. Quoi ? Pourquoi il triche ? Parce qu'il est trop fort, son personnage, parce qu'il a de l'équipement. Oh non ! Oh non ! Khaled. Fou, je vais t'avoir un petit feu. Ah mais ça c'est certain. J'en splash. Et vous faites quoi en fait? On fait un défi vu que ben on s'ennuie. Duel. Ah ouais. D'accord. Ouais, un duel c'est pareil. Et vous pourriez aller au donjon de Tofu nous téléporter quand même. Non. C'est vrai, on aurait pu. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, je te l'accorde. Mais grâce à ça, tu vois, ben, Guillaume, il a découvert les lacs enchantés. C'est ça. Lac enchanté. Tout est dans ça, le... Putain, tu peux le faire tous les tours de TP1 un... Oui. Je peux les replacer comme je veux. Attends, où c'est que tu peux cabrioler? Et puis deux plans moins. Allez, bisous. Je vais gagner. Aïe. Il m'envoie mes invocations au visage. Et encore, j'aurais pu être vraiment plus pénible et faire un bouffe-tout qui me donne des boucliers chaque tour. Là, je veux juste te faire chier. Là.
T'essaies de te barrer? Oui. Tu sais que je vais te rattraper. Avec un tofu, oui. Pardon. J'ai pas compris ce que t'as dit. Avec un tofu. Chiant ces boucliers là. Ouais, c'est pénible. Okay. C'est tout, un seul. Moi, je suis déçu. Ouais, moi aussi. Le zap du village des éleveurs a été pris. Ouais. Oh, j'ai pas le temps de jouer. Jake. Oui. En bas à droite, t'as un PNJ qui s'appelle Claco. Il est tout Claco. Oui. Oui, il était pas mal. Tu cliques parle. Dessus, tu fais acheter, vendre. Ah, je lui parle pas, je lui achète et je lui vends. Au revoir, ouais. Yves. A tout à l'heure. Ah, là, je m'appelle pas Yves. Bah, il faut acheter le sauciflard, le sauciflard. Tu achètes le sauciflard. Oh putain, le sauciflard. Bon, attends, je vais aller TP, sinon ils vont gueuler. Ok, et c'est unique ou... C'est à vie. Non, non, t'en achètes un. Tu l'as tout à vie. Donc, tu ouvres ton inventaire. Ouais. Tu vas dans objet utilisable. Chargement sur... Non, c'est pas objet de quête. C'est la potion. Oui. Et ton sauciflard, tu fais un glisser-déposer dans ta barre okay. En bas. À côté des ciseaux. À côté des ciseaux. Oui, j'ai gardé les ciseaux. Oh, tu peux les virer, les ciseaux. Bon, ça va, ils prennent pas de place. Comme ça, à chaque fois que tu cliques sur ton sauciflard, bah, tu montes et tu descends ta monture. D'accord. Tu double clic. Oui. Et c'est plus rapide. Y a-t-il autre chose à faire dans le village des éleveurs? Non. Non. Je vais vous taper. No. D'accord. Et par contre... Vas-y, clique. Double clic sur le sauciflard, Jake. Ouais. Bah, vu que j'ai les petits bonhommes, je vois pas du tout la différence. Ah bah oui. Bon bah là t'es sur ta monture en fait. Ouais, je n'en doute pas, j'ai vu une fumée mais c'est tout donc. On fait le donjon ou on va sur l'île alors? On va sur l'île. Ok, on va sur l'île. Je vous tape, Guillaume. Vas-y. Il faut pas faire le donjon. Et pour sortir de cette map, tu prends l'échelle et tu sors de l'atelier. Et rendez-vous en 11-10. Je prends l'échelle. Oui. Tu sors de l'atelier et rendez-vous en 11-10. Arrête, Thomas. Ouais, j'ai trouvé. Non. Ah, j'aimerais qu'il s'arrête. Hein. Mais... Malheureusement. T'as fait pour aller plus vite que moi, toi. Qui ça? Toi. Ah. Bah, il a un ordi de compète, hein. Parce que avec la monture, tu vas plus vite que à pied. Chut. J'ai dit chute. Non, c'est juste qu'il a un ordi de compète. Merci. Un ticket, mais bon, je pourrais le mettre oui. Au niveau 60.
s'approcher du canon. Bon, on attend Guillaume. J'arrive, j'arrive. Oui, oui, t'as oh, t'as... Ah non. Faut qu'on est beau. C'est ce que j'allais dire. Oh, des têtes de con. J'aime même parce qu'on a l'air de faire la gueule et il n'y a que le sacré, on dirait qu'elle sourit. Mmh. Ah non. Alors, oh putain, il est joli. Alors Guillaume, tu équipes tes ailes et ton casque qu'on t'a donné. C'est comme une cape et une coiffe. Tu... Attends. Donc là, ici. Et là, ici. Tu parles à la madame. Fermez ce dialogue. Hein ? Est-ce que t'as lancé la quête partir un jour sans retour ? Oui, je peux voir ça. Est-ce que tu dois utiliser le canon pour se rendre sur l'île ? Ah, vous avez obtenu un ticket pour l'île de The Moon. Oui. Oui. Et tu maintenant, tu prends sur le canon. Vidéo sur 20 la qualité pour aller passer la vidéo. Putain. C'est quand même dingue, ça. C'est du 4 tiers. Ah non, mais c'est pire que ça. Dofus, c'est toujours du 4 tiers. Ouais. Oh. Ah, je suis déçu. C'est quoi ce bruit ? De quoi, rohouille ? Oui, c'est la tortue. Ah. Se renseigner sur les activités à faire. J'ai une autre question. Oui. Pourquoi il a déverrouillé en quête de solution ? Ah, terminé sans qu'il a... Je suis à 94. Putain! N'oubliez pas de prendre le zap, hein. C'est pas faux, ça, tiens. Ah, il est là. Faut prendre toutes les quêtes qu'elle nous propose, la dame, là. Elle en propose qu'une. Ah, donc toutes. Putain! Giflez-le! Bah, alors, il a raison. Bon, que faisons-nous alors ? On va parler au doyen des touristes. Qui est ? Qui est juste à gauche. D'accord. Mais pourquoi il va bouger en personne ? Il y a des petits qui portent du sable. Mais... Gros pinceau cruolé. Le canibou libile. Ça me plaît, ça. Canibou libile. Tout le monde a lancé la quête un parfum de vacances ? Ouais. Bon, bah, faut aller buter des noix de coco et des tortues. Comment s'appelle la quête sur laquelle on est, pardon ? Un parfum de vacances. Merci, je la suis de suite. Voilà. Donc, faut aller où ? Faut trouver des tortues et des noix de coco. C'est du combat ou c'est ramassé ? Oui, c'est du combat. Ted Akonsan vient de faire Cannibal Build score 200. Salaud. Là, il y a des tortues, il y a des cococos, il y a de tout. Allez. Il y a des prunes et du saumon. Enfin. Une tour, t'es Michel. Il y a Kormaling qui nous dit bonsoir sur le chat. Bonsoir, des tortues. Jake, tu peux remettre ta coiffe et ta cape, hein.
Hein ? Oui. Ouais, pareil pour moi. Moi aussi. Ouais. Vous êtes nuls. Vous suivez pas. Oula, vous êtes nuls. Remets les manettes, Jake. Hein. Mais j'aimerais bien que ça s'ouvre, en fait. Ah ouais. Toi-même, tu sais. Ah, c'était à usage unique ? Oui. 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 Ah. Assez ? Anachorette. Si, Anachorette. Ne pas finir à côté d'un allié. Putain, ça a beaucoup de vie, ces trucs. Est-ce qu'ils viennent d'Alola ? Mon dieu. Ce bruit, quoi. Par contre, Guillaume, tu verras très vite que les tortues, elles ont des couleurs qui ne ressemblent malheureusement pas aux tortues ninja. C'est ce que j'allais dire. Je suis très déçu. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'elles atteignent l'océan ? Oh putain ! J'ai mal ! Ah, oh, j'ai vraiment mal ! Une tortue vient à l'océan. Une tortue vient à l'océan, sale pute. Je déteste. C'est dans WoW. Tu peux pas savoir de toute façon. Tu pourras jamais comprendre. D'accord. C'est à une quête, c'est amener des tortues à l'océan. Et le PNJ, à chaque fois que t'en as une qui arrive, fait une tortue atteint l'océan. Conspiration. Okay. Termine pas à côté de moi. Je sais, c'est pour ça que je réfléchis. Je vais me mettre à l'angle. Tu te mets à l'angle. Voilà. Au pire, t'aurais pu utiliser un PM en plus et. Non, non. Bah, si. Avec bon du fait là. Vous serez retrouvé à côté de lui. Avec bon du félin ? Ah, avec bon du félin, tu gagnes. Un de plus, non ? Bah, ça t'en aurait fait deux. Un, deux. Il t'en restait un, là. C'est pas un. Oh, putain. Bon du félin, c'est un. Mais tu te dé. Pas grave. Il t'en restait un. Ah non, vous aviez dit que la diagonale, ça comptait pas. Y'a pas de soucis. Ils ont de la vie quand même, hein. Ouais. Ça commence à être difficile. Sans puissance. Faut pas les mettre dégâts comme moi. Putain. Moins de là. Oui, mais t'as de la vie. C'est vrai. Mais je tente pas des masses. Tout. Aïe! Holy fuck! Elle va me mettre la même là, elle. Non! Je ne veux pas mourir! L'énigme! Oh, l'énigme! Putain, mais qui m'a enlevé des PA, mais. Pas moi. Bah, j'espère bien. Elle aussi, elle peut plus taper, quoi. Ah, mais c'est l'autre con avec son feuillage. Une grand-mère feuillage? Oui, elle m'a. Ah d'accord, en plus ça renvoie. Oh là là. Ah. En moins un sort de rang 6 maximum. Ah ouais quand même. Putain, je suis pacifiste quoi. Bim. Ça fait quoi ? Il peut pas, bah, je peux pas faire des dégâts. Non, de dégâts tout court. Oh merde. Ouais. Tu peux te TP vers moi pour que je fasse un bouclier ? Oui, hein ? Ouais. Tu tapes qui tu veux ? Oh, encore. Tape, Jake, tape. D'accord. Tape le coco au-dessus de toi. Il est plus que moi. Tape le coco au-dessus de toi. Oh putain. Aïe aïe aïe. Ça devient dur. Et je crois qu'on n'avait pas dû faire un groupe aussi gros, je crois. Ouais. On était un peu trop présomptueux. On va mourir. Mais vous allez mourir. C'est bon, tout le monde l'a fait, on peut passer à autre chose.
Tu te TP pas lui, bon dommage. Ah tu coop pas, tu. Parfait. Non. Et l'autre qui m'enlève mes 20 000 PA, mais. Injouable les petits cocos, mais alors injouable. Moi je sens le pâté. T'es trop loin. Ah super. Ah si on peut tuer le coco assez vite, ça m'arrange, comme ça le type coco il meurt. Parce que là c'est dur là. Attends. Ah j'ai freeze. Libération ? Non, mieux. Ok. C'est ma vie. Bravo. Michel. Ah merde. Oh mais là c'était dur là. Ah oui mais je me suis arrêté à côté d'une carotte. Oh. C'est pour ça. Ah bien ça. C'est bien, fais pas des coups critiques. Je tente un truc. Oh là. Il a pas eu le temps. Ça va pas fonctionner. Oh là là. Le bruit qu'elle a fait la tortue quoi. Ah oh, c'est court. On en a pas tué un seul. Ah j'ai mal. Putain mais je suis toujours en pacifiste quoi. Ouais. Si tu peux faire des dégâts de poussée ou pas? Bon. Ouais. Un. Alors, annonce. Avant que je meure, le petit coco à côté de moi, si vous le tapez sur les prochains tours, vous vous soignerez. D'accord. Voilà, si je survis jusque-là. Mmh. Oh, putain, il faudrait vraiment qu'il meure. Aïe. Incroyable. Non, t'es pas mort, regarde, la carotte, elle t'a soigné. Combien? T'es en état pacifiste, par contre. Je sais, mais j'espère que j'ai pas... Ah, putain. Oui, le draconique est passé. Donc, Guillaume, si tu tapes, si tu peux, du moins... Ah, mais non, tu peux pas, t'es complètement bloqué. Il peut faire libé, là. Ah oui. Vite, 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 vite. Libération. C'est quoi ça? Libération. C'est un sort orange. Qui ressemble à du vent ou des vagues. Là, tu peux bouger. Et c'est trop tard. 500. Et je suis mort. Non mais il réinvoque. Non mais c'est insupportable. Mais il avait pas invoqué en fait. Comme Régis. Vas-y Thomas. Oh putain merci. Tue le coco. Putain c'est une blague. T'as pas flamiche, c'est dommage. Non j'ai pas d'argent. Tu peux peut-être le tuer avec je sais pas quoi. Non, je peux pas. T'es encore en état truc.
La prochaine fois, on prendra un petit groupe, hein. Tape n'importe quoi. Pas le type vocaux. Ok. Incroyable. Putain. Allez, au suivant. Quoi? Bon, on va faire des groupes plus petits, hein. Ouais, on va faire ça. Attends, on va revenir à Astrub. Oui. Dépend de ton... Pourquoi t'as pas pris le zap? Si, il y a le zap. Ah bon. Moi, je peux pas passer mon tour. Ça... Moins de 2 PA, putain. Allez, en plus, tu pourras pas taper. Mort par une autre coco. Eh bien, voilà. Merci de nous avoir suivis. J'achève le live. On a été vachement gourmand. Ah, j'ai une tortue verte. Oh, mais elle t'es courait pas dans l'herbe. Bah oui. Oh, y'a un mec qui s'appelle Bulgrose. C'est cool ça. Au-dessus du zap, y'a un groupe de 4. Allez, j'en... Et attends, je suis encore à ce truc. Guillaume, t'as pas la ref? Je la cherche. Bulgrose. Zorglub. Attends. Putain, c'est pas cher le zap. Si, ça me dit vraiment quelque chose, mais là je sais plus. Et vive Bulgrose. Ça te dit rien non plus? Non. Bon bah... Spyro et Fantasio avec Zorglub. Oh, ça remonte trop loin là. Ah oui, mais écoute... On est vieux ou on l'est pas? Ouais, déjà que j'appréhende... Mon dieu, mais c'est quoi ce nom de percepteur? À niveau du nu. Au-dessus, ouais. Ouais. Bonsoir. Il y a deux tortues. C'est parti. C'est hyper. Récemment, j'ai regardé un épisode de Rémi le Radis. Ah, c'est bien. On n'oublie pas les classiques. C'est bien. Je risque de prendre mon niveau là-dessus. Chouette. Après, ça dépend, mais... En fait, il me manque 40 000. Je pense qu'on pourrait arrêter de la gueule là-dessus. Il est passé niveau 60, allez, ciao. Non, que tu montres quand tu vas prendre la monture reverse, parce que du coup, moi c'est déjà fait. J'ai juste à l'équiper là. Ah, tu l'as déjà? Mais oui. Ah. Qu'est-ce que tu veux savoir, Jake? Non, parce qu'en fait tu m'avais bien expliqué, mais sauf que pendant ce temps, Thomas et Eric faisaient des bêtises à l'écran. Et je non, c'est pas vrai, on faisait un défi. C'est vrai? Des bêtises. Mais non, ils se défiaient entre personnages. Bêtises. Ouais, enfin juste avant. Tu n'as aucune preuve. Si, le replay. Pour l'instant. Merde. Non, mais tu peux pas effacer. Pour l'instant. Moi, je regardais juste un arbre. Tu peux gérer les temps forts que tu crées. Tu peux pas effacer directement ce qui est diffusé. Ça, c'est dommage.
Je regardais juste un arbre. Oh, pourquoi il faut que tout rote dans ce jeu, quoi. Bête. Ouais, c'est vrai. Là. Waouh. Peut-être le PM de la victoire. Hein. Non. Ok. Mec, pourquoi tu t'appelles El Majiro? Majiro, il t'a déjà pris. Oh merde. Et comme le I majuscule et le L, c'est pareil, personne ne voit la différence. Malheureusement, tu le vois dans les users. Mais pas sur le chat. Quel qui saoule. Qu'est-ce qu'elle joue bien, ce... Elle Canaïdé. C'est qui, Elle Canaïdé? J'ai pas compris. Oh, sérieux? Ouais. Oh ben, prochain tour. Non, j'ai mis le I à Elle Canaïdé, mais par contre, le... Imagiro, c'est un L. Ah merde, j'ai plus de mana. Sans de chance, oh putain. Tu vas mettre tellement de gros dégâts dans la tour. Tu... Ah. Soit. Et non, toujours pas. Putain. Je finirai la jaune, vous inquiétez pas. On fait partage? On peut. Ouais, vas-y, je prends la jaune, il prend le petit coco et vous prenez les deux autres chiens. Vous avez beaucoup plus de dégâts. Moi, c'est bon, j'ai tué. Thomas, faudrait que tu prennes attention. Bleu? Bleu, ouais. Je vais finir la jaune. J'espère que le chat va battre la KS, la tortue bleue. R. Coco. Ouais. Voilà. Si tu peux la faire venir avant que le chat le bute. Ouais, très bien. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a drop? De la grosse merde. Ah, c'est... Oh, stylé. De l'huile. Il y a trop bien dans un rhum arrangé, ça. Donc, il faut 4 huiles et 4 pulpes, bah, dis donc. On n'est pas sorti. Ça, c'est clair. Mais il y a un groupe de 3, là, si tu veux. Assez simple. J'ai déjà 2 huiles. C'est bien. Guillaume, il a rien droppé. Il a
Enfin, si, il a une tranche. Bon, on fait le groupe de 3 là. Allez. Même propre. Tant pis. Pourquoi? Bah, je sais pas, si vous voulez, on le fait. Hein. Fais un chaton, Guillaume. Je vais tous les monstres. Mais non, mais... il se je sais, moi, si je t'aime beaucoup, petit chat, mais il faut taper. Il a tapé. Oui, mais bon, il s'est barré, quoi. Ouf. Ouf. Oh, il est super énervé, lui. Il prend trop mal, ces tortues. C'est incroyable. Ça a des bandades dans les gorges. Ça va être en danger. Non, arrête. Oh là là. C'est la décadence. Je me rends compte que le tour d'avant, j'ai tapé l'invoque. J'ai perdu un tour. Quel tocard, alors. Aïe, aïe, aïe. Merde. Bon, tant pis, j'ai pas cliqué au bon endroit. C'est pas une petite blague, Guillaume? Je me concentre. Ça, c'est une invocation. De quoi? De notre coco, c'est, oui. C'est risqué. Oh non, c'est le chauffeur. Oui. Vas-y. Oh putain. Vas-y, va taper Jake, vas-y. Ah oui, ça serait trop bien. Oh putain, c'est moi, quoi. C'est horrible, le chauffeur, putain. Oh, putain. Je ne comprends pas le but. Tu peux faire deux invoques, toi? Je sais pas. D'accord. Et sinon, ah, comment on fait pour faire des dons Des dons pour l'association. On va sur Hello Asso. Et on donne ce qu'on a envie, voilà. Puis, pour trouver les liens, c'est vous cherchez Ivason Studio un peu partout, sur les réseaux sociaux, le site, et vous avez toutes les infos de toute façon. Et si on atteint la cagnotte de 100 euros, Jake vous fait une photo tout nu. Non. Alors pour l'anecdote, il y a très 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 longtemps. Et après, il vous bouffe le pion. Plus, non. Non, non. Je sais plus pour quelle raison, mais c'était Axoul et Strelox qui avaient fait une photo à poil ouais. Avec un sac à dos Ivason dedans.
sais plus pourquoi. Là. Je sais pas non plus. Mais pour 100 euros, je me. Non. Il va falloir donner beaucoup plus. Bataille d'un bord. En bas d'un ferme. En bas d'un ferme. Tu as le droit de taper le cococo sans le tuer. Ouais, mais avec quoi? Avec bluff. Avec ta. Mais ça va faire casser le châle. Mais non, c'est achevé. C'est, tu peux commencer à le taper en fait. Le cococo, pas le petit coco. Coco, pas le petit coco. T'as de répéter tout ce que je dis, c'est bien. Merci. Est-ce que je fais une deuxième fois? J'ai pas besoin de perroquet. Bravo. Voilà. T'as le chaffaire et il est. Voilà, c'est fait. Après, t'as fort, putain, 91. Je vais peut-être changer, je vais pas mettre de bouffe-toi, mais... 1000 de vie, équipement. Oui, 1012 même. Hey. Ah, t'es sérieux? Nul, ouais. Zéro. Mais nul cet été. Vas-y, mets le chauffeur. C'est ce que j'allais faire. Et là, tu peux pas, là. Oh, de l'autre côté. Il y a plusieurs chats à faire. Est-ce qu'ils peuvent se taper entre eux? Oui. Là, ils te tapent toi. C'est dommage. Le chat à faire fou, c'est complètement fou. C'est... On adore. Non, j'ai menti. C'est bien chez eux. Oh, vous ne pouvez pas avoir plus de deux invocations en même temps. Eh bien... Ah ben, le Gélano, il sert à rien. Mais pour l'instant, parce que... Mais je l'ai pas mis, je suis niveau 50 dans ah ce coco. Ah oui, c'est vrai. Petit coco même. Oh putain, 98%. Ah, c'est long. On fait les deux tortues rouges. Deux tortues, là. Allez. Ça, on va vraiment se quitter sur mon niveau 60. On pourra faire un combat. Mordi commence à ramer. Fais gaffe, le jeu va exploser. Bah, à minuit, de toute façon, le jeu explose. Ah oui, il y a la sauvegarde. On va peut-être clôturer le truc avant la sauvegarde, si possible. Une chale ou pas? Chiant. J'ai envie de dire chiant, donc. Bah, j'ai envie de dire menteur. Ou après, ils vont se rapprocher de nous, normalement. Ça me fait doucement sourire. Ouais, c'est bon. Elle arrive. Ah, t'es souhait. Ouais. Pardon. Oh, coup de chapeau vénère. Un PM. Et c'est tout. Et tu tapes. Il bluffe. Pour le moment. Et tu bluffes. Tu bluffes. Ça permet de rapprocher les trucs. À peau. À peau, j'en veux. Intaclable, hein. Un PM. Qu'est-ce que c'est énervant d'avoir de musique. Comment ça va, j'en ai plus. Oh là là. Un PM. Et tu tues. C'est tout.
Un PM. T'as gagné. Bravo, j'ai pas EP. Putain, j'ai rien droppé. Genre pas zéro de en plus. Putain, mais la nullité du début jusqu'à la fin, quoi. J'arrête un truc juste à côté de toi. Hein? Juste à côté de Chiara, ouais, y a un petit coup. Moi, un peu. Putain, il va regarder s'il y a pas une tortue. Ah, y a trois tortues, venez. Ok. Vous êtes ouvert, non? Bon, t'es niveau 60 Non. Non, toujours pas. Putain. Pardon, je suis nul, hein. Franchement, excusez-moi. Ouais, comme ça, je mets mon bouclier. Oh putain, c'est nul. Ouais, vas-y, on le fait pas, je vais prendre mon niveau quoi qu'il arrive. En vrai, ça peut se faire, hein, si non, on... Non, non, faut trop mal, c'est trop pénible. Puis lorsqu'ils vont enlever 20 000 PA, là, ça va. Faudrait te foutre dans la gueule du monde. Corne, il a la tête dans le cul. Mais qu'est-ce qu'il est con. Vas-y, Guillaume. Faire avant, on sait jamais. Ouais, j'ai pas le réflexe. Non, mais c'est pas grave, c'est juste comme ça. C'est, si tu sais que tu vas la faire, essaie de le faire avant parce que si c'est un bon bonus, tu gagnes beaucoup sur ton tour. Mmh. Dommage, Flemish. Au pire, je finis. Bon. PM toi Toi t'en as que deux alors toi. Ah. Alors pouette pouette camembert. Des trucs sur mon micro, je sais pas à quoi ça sert. Ok. Ah, moi.
3 et 3. Boum. Hey, j'ai enfin fini Luigi's Mansion. Hein, toi c'est vraiment long, hein, je l'ai fini moi. T'as eu un rang à la fin? Hein? Oui, je crois que je le sais. T'as eu un rang. Ouf. T'as eu quoi toi? J'ai eu B. Et apparemment A, il faut avoir plus de 100 000 pièces. Ouais, mais ça va trop loin après. Bon, ouais, je suis enfin niveau 60. Ouais. J'équipe tout. Et on s'en va. Parce que c'est l'heure. Et une quête. Cap au Nord. Ça y est. Oh non. Max, t'as pris la quête, non ? Quoi ? Elle est pas montable. Elle a pas d'énergie. Oh, montable, non. Ouais. Bah, c'est parce qu'elle a pas... Ouais, ouais, non, regarde ses stats, putain. Pour les stats ? Bon, ben voilà, je saurai quoi faire si je m'ennuie. Ouais, faut monter. Putain de merde ! Ouais, ouais, si je m'ennuie, ouais. Bon, moi, l'endurance est fait, mais. Putain. Ouais, j'avoue. Et le chauffage est sur moi. Bon, allez. Là. Je crois que ça signe la fin là, j'en peux plus. Bon, mais sur ce, merci d'avoir suivi le live, on adore. On se retrouve quand on peut. c'est désolé, mais c'est comme ça. Et puis, c'est tout, j'ai envie de dire. À la prochaine. A bientôt, bonne Salut, soirée, tout ça. Salut, bisous, à l'année prochaine. Ah non.